Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chess24 pour ce résumé de la quatrième ronde du championnat d'Europe des Nations qui a lieu en ce moment même en Slovénie et qui commence déjà à tenir toutes ses promesses hein, puisqu'on en est déjà à la ronde 4 sur 9, donc les choses commencent à se décanter un petit peu. Donc nos équipes de France, on suit nos équipes de France, principalement nos équipes de France qui ont eu fort à faire pour l'instant, hein, avec une journée difficile hier face à la Hongrie, une défaite pour les garçons et un match nul pour les filles, qui n'était pas forcément une bonne nouvelle, étant donné qu'elles avaient déjà perdu la première ronde contre la Suède. Et donc aujourd'hui, la section mixte était opposée à la solide équipe de Turquie, une équipe de Turquie très dangereuse, composée de quatre forts grands maîtres. Dans la section féminine, elles étaient opposées à l'équipe d'Israël, une équipe dangereuse aussi, jeune. Donc, on va voir aujourd'hui s'ils ont pu réagir chacun et se replacer. Alors, donc du coup, la composition de l'équipe de France était la suivante. Sébastien Mazet, capitaine, avait décidé de continuer à faire confiance à son top 2. Évidemment, c'est très difficile hein, de s'en passer. À Alireza Firouzja, qui est complètement en feu après 2,5 sur 3 pour commencer, avec deux victoires avec les Noirs face à deux joueurs extrêmement solides que sont Markus Schrager et Viktor Erdős. Et Maxime Vaché-Lagrave un peu plus dans la difficulté, on va dire, pas dans le mou, mais dans la difficulté, puisque c'est quand même pas facile. C'est pas facile hein, de jouer ces championnats d'Europe, d'autant plus qu'il enchaîne avec Riga, bon comme Alireza, mais bon, l'énergie n'est pas la même évidemment. Donc bon, on attend évidemment la réaction de nos deux super champions aux deux premiers échiquiers. Ensuite, le capitaine avait décidé de faire confiance à Étienne Bacro et Jules Moussard en laissant un peu de repos. Maxime Lagarde, qui après deux nuls rapides a subi une défaite difficile hier. Donc j'imagine que la nuit et la journée ont dû être difficiles et longues pour Maxime, qui est un grand combattant et qui n'est pas du genre à se mettre au repos quand quelque chose ne va pas. Il est plutôt du genre à vouloir retourner vite au charbon. Mais voilà, les choix du capitaine ont été différents. C'est assez logique, étant donné que Jules était sorti et qu'il fallait bien donc mettre quelqu'un en repos. Et donc on espère que cette journée de repos pour Maxime lui aura fait le plus grand bien et lui permettra de revenir au top de sa forme et plus combatif que jamais pour la suite des événements. Personnellement, je n'ai aucun doute sur le sujet. Je le connais bien. C'est un des adversaires contre lequel j'ai le plus de mal à jouer. Tellement il met d'énergie dans ses parties. C'est vraiment. On compte sur lui. L'équipe de France a besoin de lui. Donc, cette équipe turque, une jeune équipe hein, emmenée par Mustafa Yilmaz. Alors, la Turquie, c'est une équipe qui s'est développée vraiment tardivement, dans les années 2000, après les efforts combinés sous l'impulsion Ali Yacizi, qui a vraiment développé les échecs turcs, notamment les échecs féminines. Hein, il y a eu vraiment une grosse arrivée de joueuses très fortes, avec Betul, entre autres, et donc les efforts combinés de Mihal Şişin et de Mihal Gorovic, qui ont permis justement à la Turquie de faire éclore de nombreux talents et de nombreux grands maîtres. Je me rappelle, il y a quelques années, je me rappelle qu'il y avait peut-être Atalik comme grand maître turc. Après, il y a eu Kıvanç Hasdenaroğlu, un joueur de ma génération. Et ensuite, toute une flopée de GM et de maîtres internationaux qui ont débarqué beaucoup plus tard. Et donc, on voit vraiment maintenant une très belle équipe turque, très solide, très consistante et très dangereuse. Donc, vraiment un match très intéressant à suivre aujourd'hui. Et donc, on va faire comme si on ne connaissait pas le résultat du match et on va découvrir les parties les unes après les autres. À commencer donc par cet affrontement au premier échiquier entre Alireza Firouzja, notre superstar, hein, l'une de nos deux superstars, hein, bien sûr, avec Maxime Vaché-Lagrave. Mais Alireza, donc, dans une forme un peu plus, on va dire, détonnante. Mais bon, nul doute que Maxime ne va remettre les choses à leur place bientôt. Et donc, il affrontait ce jeune Turc, enfin, plus si jeune que ça, Yilmaz, un joueur très solide, très bien préparé. Et donc, Yilmaz va jouer donc une Sicilienne face à l'homme en forme de notre équipe de France, Alireza Firouzja. Donc, avant toute chose aussi, je vous souhaite déjà bonjour, hein, bonjour à YouTube, bonjour à Twitch. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Merci aussi de vos messages que je reçois régulièrement. Qui me font très plaisir, puisque c'est pas évident non plus. Il y a eu beaucoup de soucis techniques au début. J'espère qu'aujourd'hui ça se passera aussi bien qu'hier. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les chats. J'ai aussi ouvert le chat de YouTube. Merci aussi à YouTube donc de nous suivre, hein, c'est sympa. Merci aussi bien entendu à Twitch. Je salue. Et je vous rappelle aussi hein, ce code promo. J'en ai pas trop parlé tellement j'ai été pris par les problèmes techniques.
Mais je vais faire un petit coup de tech fraise, quoi, en parlant du tech promo, ouais, c'est ça, le code promo, n'importe quoi, qui est en rapport avec la sortie du livre et donc maintenant de la vidéo-série d'Emmanuel Neyman, The Magnus Method, avec ce code promo TMM30, qui vous offre donc 30% sur l'abonnement premium qui vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos-séries, à absolument tout le contenu du site Chess24 pour la durée que vous souhaitiez. Donc, et à l'accès illimité au chat aussi. Donc, c'est vraiment un moyen, bien entendu, de pouvoir soutenir hein, les actions de Chess24.fr et de Chess dans la section française et bien sûr de la section de Chess24 globale. Et donc, d'avoir un accès vraiment à un contenu assez exceptionnel que je vous conseille vivement, notamment cette nouvelle vidéo. The Magnus Method avec Laurent Fraissinet et Emmanuel Neyman qui présentent donc la méthode, le style de jeu de Magnus Carlsen. Donc voilà, si vous voulez avoir accès à ces vidéos, et je parle de ces vidéos, mais il y en a beaucoup d'autres, notamment ben, la méthode de Josif, hein, Dorfman, et puis d'autres vidéos-séries en français, en anglais, dans toutes les langues. Les vidéos-séries d'Adrien Demuth, de Romain Edouard, From Zero to Hero avec Jean-Baptiste Mulon, Kevin Thérieux, Emmanuel Neyman, Mathilde Conjoux. Et j'en oublie peut-être, mais je ne crois pas. Donc voilà, n'hésitez pas à devenir premium grâce à ce code promo. Je sais que ça vous avait manqué. Vous aviez l'habitude qu'on fasse régulièrement le rappel pendant les différents shows de Chess24. Mais bon, voilà, une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Donc je suis. Ne spoilez pas. Essayez de ne pas spoiler du tout ce qui s'est passé dans le match. On va essayer de découvrir au fur et à mesure et de décrypter du mieux possible tout ce qui s'est passé. Voilà, donc Alireza Firouja qui est sur vraiment une lancée incroyable hein, après sa partie extraordinaire d'hier, hein, sa conception. Ok, comme je vous l'ai expliqué hier, la conception Roi D7, Roi C7 est assez logique, mais c'est toute la conception qui part de Tour C8 avec H6 qui est très provocatrice. Et puis hop, d'un côté, on va cacher le roi de l'autre côté, puis derrière de jouer B5, A5. Franchement, regardez encore cette partie, encore et encore, sont vraiment comment on peut concevoir le jeu d'échecs et sa pensée. C'est vraiment très très instructif et Alireza vraiment montre qu'il fait partie maintenant clairement des tout meilleurs joueurs du monde. Hein. Si c'est très très impressionnant. Hein. S'il y a encore des gens qui avaient des doutes, j'étais un des premiers à avoir des doutes sur sa capacité vraiment à aller si haut, si vite. Et là vraiment, il est en train de faire taire tous les sceptiques et de montrer qu'il fait partie maintenant clairement du gratin mondial. On espère pour lui qu'il continuera, et pour l'équipe de France d'ailleurs, hein, pour ce tournoi, mais ensuite pour lui pendant le futur tournoi des candidats. Ou d'ailleurs, on espère qu'il ne sera pas le seul Français, mais qu'il continuera sur cette lancée. Et on lui souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Alors, cavalier F3, donc il décide de jouer cette. Il décide donc de mettre. De rentrer dans la Sicilienne ouverte. Pas de fou B5 échec. Et donc, on va avoir Yilmaz qui choisit donc une défense Nashdorf. Spécialité donc du numéro 2 français. D'accord, du deuxième échiquier, Maxime Vaché-Lagrave, entre autres, hein, Yann Nepomniachtchi, bien sûr, on peut citer Garry Kasparov. On ne va pas revenir sur ce qu'est la Nashdorf et ce qui fait que c'était une des ouvertures les plus populaires au monde. C'est bien évidemment son caractère très combatif, très complexe, très riche niveau structurel, puisque évidemment, les Noirs ont beaucoup de choix d'un point de vue de la structure centrale. Et bien sûr, son utilisation par les tout meilleurs joueurs du monde depuis très très longtemps, à commencer par Bobby Fischer, bien sûr. Et on peut même revenir avant, à l'époque même de Boleslavski, c'est vous dire à quel point c'est une ouverture populaire. Alireza, il a choisi un des coups les plus classiques, on va dire. Bien entendu, je crois que tous les coups ici dans cette position sont possibles. On a vu même des gens jouer à 3, on a vu même Tour B1 qui a déjà été joué. On a vu du cavalier B3, le fou, il peut aller sur les trois cases de développement disponibles, ce qui est tout à fait valable. Ce fou aussi, on a même vu du fou D2, je crois que c'est le jeune Van Forest, le frère de Yarden, Lucas Van Forest, qui est grand-maître international aussi, qui avait joué un coup comme fou D2. Mais fou E3 aussi est possible. Bien entendu, fou F4, on va éviter afin de ne pas se prendre une petite fourchette par E5. Mais on peut aussi jouer fou G5, tout simplement. Et puis bon, le pion F peut avancer d'une ou deux cases. Le pion G peut avancer d'une case. De deux cases, pour l'instant, c'est un peu prématuré. Et le pion H, aussi de deux cases. Même tour G1 est un coup valable. Dame D3 aussi. Dame F3 aussi. Bref, tous les coups légaux dans cette position ont été essayés. Le coup le plus dangereux et le plus critique sur lequel il faut être vraiment le plus concrètement préparé, c'est le coup fou G5.
Mais on va pas rentrer dans un débat théorique, on va tout de suite voir ce que Alireza a choisi. Il a choisi le coup fou E3. Fou E3 qui amène donc la partie sur le terrain de l'attaque anglaise. Une attaque qui a été mise au point dans les années 70 par les joueurs anglais, donc, et qui a ensuite été reprise par des joueurs du top niveau hein, dans les années 80-90. C'est devenu vraiment extrêmement populaire. Je me rappelle, moi, dans les années 90, quand j'ai commencé à jouer E4. C'était vraiment le coup principal contre un âge d'or, fou E3. Dans les années 60, c'était plutôt fou G5. Dans les années 70, c'était plus fou, fou E2, fou C4. Donc tout est une question de mode. Et G3 aussi est un coup très très intéressant que beaucoup de joueurs jouent en ce moment. Donc bon, voilà, tout est vraiment une question de goût et de mode. Fou E3, un coup très souple. Et Yilmaz a choisi E5, un des deux coups des trois coups disponibles. Parce que le troisième coup possible, c'est le coup cavalier G4, qui est un coup assez intéressant, qui a été développé par Garry Kasparov dans les années 90 et repris ensuite par Veselin Topalov et Maxime Vachier-Lagrave notamment. Mais ici, E6, c'est l'alternative la plus, on va dire, jouée, mis à part E5, mais qui connaît en ce moment des petites souffrances stratégiques avec des nouveaux concepts de la part des Blancs. Donc je vous invite à aller chercher un petit peu comment ça fonctionne maintenant, mais il y a eu certaines, on va dire, évolutions théoriques très importantes dans ces schémas avec E6. Et à mon grand dam, hein, puisque je suis un fervent défenseur de ces structures, j'aime beaucoup moi, jouer ces structures avec les noirs. Et malheureusement, la théorie n'est plus d'accord avec moi, et les ordinateurs non plus. Depuis qu'Alpha 0 est arrivé, ça fait mal. Cavalier B3 et fou E6. Ok, donc là on a la position normale de l'attaque anglaise qui continue normalement par le coup F3. Ici, bon, il y a beaucoup d'ordres de coups différents. Cavalier BD7. C'est une ouverture qu'on a pu voir notamment dans cette partie à la ronde 3, en la ronde 2. Entre Maxime Vachier-Lagrave et Ante Belkic. Et Maxime avait dû aussi faire face à cette ouverture face à Fabiano Caruana et Lenier Dominguez à la récente Singfield Cup. Et aussi, je crois que c'est contre Shashi Kiran pendant le Grand Suisse. C'est même pas, je crois. C'est contre Shashi Kiran. Mais ici, Alireza va jouer Dame D2. C'est-à-dire qu'il ne joue pas F3. Alors, quelle est l'idée de Dame D2? Eh bien, en fait, c'est on se garde les options. On se garde l'option de jouer à F3 et on se garde aussi l'option qui va être jouée dans la partie, qui est assez intéressante, qui est de jouer éventuellement H3 avec l'idée de pousser F4 en un seul coup. Donc, c'est vraiment un concept radicalement différent. Ça a été très joué, mais ça a perdu un petit peu en popularité, mais ça reste quand même assez dangereux et assez intéressant pour les blancs. Bonjour à tous dans le chat, hein, Dutch Player, XRX, Vitrophile, Stegikun, Philippe Jolin, Rouga. Léo Belge. Et voilà, bah je lis principalement le chat de Chess24. Il y a seulement en cas de bug où je vais voir sur le chat de YouTube, mais j'y suis aussi. Et donc, je vous remercie d'être là encore une fois. Et donc, je vous salue tous, toutes et tous, de pouvoir me suivre. Je vais juste vous regarder vite fait un petit détail. Non, pour l'instant, toujours pas ce que je recherche. Donc oui, donc je regarde sur mon téléphone. Hein, j'ai qu'un seul écran, donc j'ai pas le luxe d'avoir le chat sur mon écran. Je ne peux pas me permettre ce luxe, sinon mon ordinateur risquerait de m'en vouloir. Donc n'hésitez pas à poster dans le chat vos questions et vos remarques par rapport aux parties, bien entendu. Donc cavalier BD7 joué par Yilmaz. Alors fou E7 est une nuance intéressante qui force, on va dire plus ou moins, les blancs de prendre une décision par rapport au cavalier G4 à venir. Puisque cavalier G4 ici n'est pas particulièrement dangereux à cause d'éventuellement fou G5, et d'autres raisons d'ailleurs, mais fou G5 principalement serait la manière de punir entre guillemets ce coup cavalier G4, même si bon, on peut aussi tout simplement laisser le cavalier et roquer, c'est le fou pardon. Donc les noirs se développent comme dans une sicilienne classique avec cavalier BD7, grand roque, fou E7, et maintenant Alireza décide donc de jouer à H3 afin de immédiatement remédier à ce problème de cavalier G4. Donc, bon, c'est le choix. Il veut essayer de jouer avec F4, c'est une possibilité. B5 a été joué, le contre-jeu habituel. G4. Et tour C8. Tour C8, déjà un coup un peu spécial. On aurait dû peut-être roquer ici, certainement. Tour C8, c'est pas un mauvais coup, mais bon, ça pose des problèmes. Les noirs peuvent avoir des problèmes. En fait, le souci sur le long terme, c'est assez paradoxal, étant donné qu'on a roqué de ce côté, c'est cette structure de pion avec A6, B5, que les blancs vont pouvoir éventuellement punir à un moment, c'est-à-dire si on a des finales, des trucs comme ça, salut Caliban, avec les idées A4 notamment, pour essayer d'abîmer la structure, et donc de profiter en finale de l'affaiblissement de cette structure de pion sur les cases blanches.
Roi B1, c'est un coup assez logique, un coup assez classique dans ce type de position. Et on enlève le roi en fait de cette diagonale et de la colonne C. On laisse aussi une case, comme on le verra dans quelques cas où c'est possible, la case C1 pour le cavalier éventuellement. Et là, il a joué cavalier B6, Yilmaz. G5. Et la nouveauté, vraiment, elle est là, c'est cavalier H5. Il y avait une partie qui avait été jouée avant. Une partie très intéressante, hein, je l'ai mise dans mon commentaire, tellement elle était jolie. C'est une partie d'un grand maître français, de deux forts joueurs français, hein, qui a 10 ans. C'est le grand maître international Fabien Libichevski qui avait joué cette position face au maître international maintenant marseillais, d'ailleurs, néo-marseillais, Sébastien Caussin. Très fort joueur, Sébastien, qui a mis sa pratique entre parenthèses pour se consacrer à des études de médecine. Mais cela ne nous regarde pas. Donc, pion F4, c'est la suite logique. Pion prend F4, fou prend F4. Et là, la position est déjà difficile. Donc, pour les noirs, il faut faire attention au pion D6. Alors, ce qui pourrait nous sembler bizarre, c'est de donner cette case E5 pour le cavalier. Mais en fait, maintenant que le pion E5 a disparu, c'est vrai que d'un point de vue stratégique, les noirs ont obtenu la case E5. Mais ça permet aussi au cavalier B3 de revenir dans le jeu par la case D4 pour éventuellement se rendre sur F5, ou voire éliminer ce fou en E6. Sur cavalier E5, on jouerait dame G2, un coup qui peut sembler bizarre, mais l'idée, c'est que dès que les noirs vont roquer, on va envoyer le pion H pour essayer de jouer G6 et ouvrir la position du roi noir, pardon. Donc on menace aussi par dame G2, fou prend E5, hein, bien sûr, il y aurait un clouage sur la colonne D. Donc dame C7. Alors les thèmes avec tour prend C3 ne marchent pas pour l'instant. Hein. Tour prend C3, par exemple, il y aurait toujours fou prend E5, éventuellement, qui attaquerait à la fois la tour et à la fois le pion G7. On voit l'importance, hein, d'avoir mis le roi en B1. Il n'y a pas de fou prend G5 échec. Donc c'est vraiment un coup classique dans ces positions. Donc dame C7, maintenant la dame n'est plus sur la colonne D, mais par contre tour prend C3 n'est plus possible. Et maintenant on pourrait jouer un coup comme cavalier D5. Cavalier prend, pion prend, fou D7, cavalier D4, fou F5, pardon, cavalier D4. Et le cavalier en revenant sur D4, maintenant il vise clairement cette case C6. Et là, on verrait que, ben, en fait, dans cette position, les noirs ont beaucoup de mal à trouver du jeu. Et le coup G6 va devenir vraiment très très difficile à parer. On peut aussi éventuellement mobiliser, une fois que ce fou a disparu, s'il disparaît, la tour sur la troisième rangée pour venir protéger notre roi si nécessaire. Mais du coup, la position noire est vraiment déjà très très difficile. C'est vraiment pas facile à jouer cette position. Donc, Yilmaz, dans la partie, Sébastien a joué Groc, cavalier D5, fou prend, du coup, pour pas avoir ce problème de fou, parce que du coup, le problème, premièrement, c'est qu'après cavalier prend, pion prend et fou F5, cavalier D4, le fou n'aurait pas la case de repli en D7, ce qui voudrait dire que les blancs, après fou G6, pourraient éventuellement même déjà occuper la case C6, ou éventuellement aussi d'ailleurs chasser le fou avec H4. Ça pourrait être très dangereux. Fou E4 ne serait pas problématique, étant donné qu'on aurait déjà fou G2 si besoin. Et éventuellement, même tour G1. Hein. Le fou, il faudrait avoir envie de le prendre, ce pion. Parce qu'après cavalier F5, le fou serait obligé de bouger et on gagnerait du matériel. Comme ça, avec une enfilade sur la tour. Donc, dans la partie, Sébastien a pris en D5, puis on prend D5. Et en fait, cette position, ce pion en D5, ce n'est pas seulement pour ouvrir la colonne E, c'est pour avoir l'accès à cette case en C6. Et maintenant, les blancs peuvent avoir des idées d'aller installer leur cavalier en C6. Et Fabien va jouer une partie vraiment modèle. Hein. J'ai vérifié la partie avec les modules récents. Et il a vraiment fait une partie juste exceptionnelle. On ouvre la colonne. Hop, on rentre sur la colonne. On met la tour sur la colonne F. Comme ça, le roi, quand il va passer sur F8, il y aura des combinaisons. Et maintenant, c'est parti. Cavalier E6. Superbe coup de Fabien. Et bon, les blancs vont l'emporter. Finalement, vont l'emporter assez facilement. Donc, une très belle partie de Fabien Libichevski qui montre pas mal les idées de cette conception. Et donc, cavalier H5 joué par Yilmaz. Cavalier H5, c'est plus critique déjà. Le cavalier peut avoir des idées de venir s'installer sur la case F4 afin d'éliminer le fou de case noire, le dangereux fou de case noire adverse, pour pouvoir éventuellement affaiblir le pion G5. Mais comme on va le voir, ça va être très compliqué. H4 joué par Ali Reza, ici, il y avait une idée intéressante. Alors bon, évidemment, quand on analyse les parties à la maison, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on met le logiciel, on réfléchit, on se pose, on prend son temps, on essaye des trucs, ça marche pas, on essaye autre chose. Bon, c'est pas pareil quand devant l'échiquier. Devant l'échiquier, en équipe, en plus, on essaye vraiment de prendre la décision qui s'adapte le mieux à la situation, le plus rapidement possible.
et la plus sécurisée possible, qu'on maîtrise le plus en tout cas du moins. Donc voilà, ne prenez pas mes analyses comme des critiques, hein, ce n'est absolument pas mon but et c'est certainement pas fait dans cette idée-là. C'est surtout dans l'idée d'essayer de comprendre un peu comment ça aurait dû se passer, comment ça s'est passé, comment ça aurait pu se passer et quelles sont les alternatives éventuelles pour bien comprendre, on va dire, le fonctionnement de la partie. Ici, il y avait un coup très très intéressant, mais pas facile à voir. C'était cavalier, enfin pas facile à voir. Pas très logique maintenant, on va dire. Parce que H4, ça me semble vraiment logique. C'est le coup de cavalier A5. J'ai mis du temps à le comprendre, ce coup. D'autant plus que ce n'était pas proposé par l'ordinateur. Ou voilà, c'était vraiment l'idée. Je me suis dit, ok, pourquoi même pas mettre le cavalier en A5 tout de suite, avec l'idée justement de mettre le cavalier sur D5 plus tard. Pardon, oups, je ne sais pas ce que je viens de faire avec mes flèches. Avec l'idée de mettre le cavalier sur D5 et éventuellement d'aller sur C6 aussi plus tard. La punition de ce coup pourrait être le coup B4. Alors par exemple, après petit roque, cavalier D5, cavalier prend, pion prend, le fou viendra en D7 donc pour protéger la case C6, fou F5 ne poserait pas de problème au blanc étant donné que le cavalier arrivera en C6 rapidement. Fou D7, fou E2, maintenant. On tape sur le cavalier viendra en F4 afin justement d'échanger le fou de case d'or. Mais maintenant, après H4, les blancs auraient un jeu assez confortable qui me fait penser un peu à la partie de Lénière Dominguez contre Maxime Vaché-Lagrave à la Singfield Cup. Par exemple, après tour E8, on pourrait jouer fou F3, fou F8, cavalier C6. Et plus tard, éventuellement, même collecter le pion en F4. Et bon, le jeu blanc, ici, on aura le choix. On pourrait jouer de ce côté et on pourrait aussi jouer de l'autre, comme on va pouvoir le voir. Salut Yosha, pas de spoil, pas de spoil. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ces parties, mais on va découvrir ensemble donc toutes les subtilités. Enfin, je vais essayer en tout cas si je les ai comprises. En tout cas, j'ai essayé en tout cas de faire du mieux possible pour essayer de vous présenter cette partie. Ces parties même, j'ai envie de dire, avec pas beaucoup de temps. Donc B4, c'est une punition possible parce que ça coupe en fait la connexion de la dame avec le cavalier en A5. Et l'idée, c'est qu'après cavalier D5, cavalier prend, pion prend, ben les noirs gagneraient un pion. Et c'est souvent le cas dans ces positions, avec les blancs, on donne un pion. On a pu le voir dans la partie de Maxime, justement, face à Lénière Dominguez à la Singfield Cup. Mais ce fou de case blanche, il peut avoir un avenir assez impressionnant et assez difficile à maîtriser. Et du coup, ici, il y aurait le petit coup H4, qui serait très très pénible, en fait, à jouer pour les noirs. Puisque maintenant, notre idée, c'est qu'après petit roque, on va jouer fou H3. Et le pion aussi, c'est vraiment très difficile à protéger. Un coup comme roi F7 serait éventuellement possible. Oula, si mon ordinateur veut bien. Voilà. Mais après roi F7, par exemple, on pourrait déjà envisager avec les blancs de commencer par F4 et donc d'ouvrir la colonne F afin de profiter de l'exposition du roi sur F7. Pas facile cette position pour les blancs, pour les noirs, pardon. Cavalier G3, éventuellement, je pourrais même peut-être sacrifier la qualité et continuer comme ça, par exemple. Avec, on voit, hein, une initiative blanche assez monumentale. Le clouage ne mènerait à rien, puisqu'on pourrait tout simplement soutenir, encore une fois, le pion. Et le cavalier en H1, en fait, est pris au piège. Donc, on aurait le temps de le récupérer. On va surtout s'occuper du roi noir. On va jouer probablement tour F1 derrière. Et la position noire qui est déjà mais vraiment exceptionnellement difficile. Donc, ça fait partie des problèmes dans ce type de position. C'est le fou de case blanche, s'il disparaît, c'est le fou de case blanche des blancs qui va devenir tout puissant. Donc, cavalier A5, c'est vraiment une idée qui méritait l'attention, je pense. H4 a été joué dans la partie d'Ali Reza. Un coup, somme toute, assez logique, hein. On consolide la position du pion G5, on donne la case H3 pour le fou si nécessaire. C'est un coup positionnel assez logique. Cavalier C4. Fou prend C4. Tour prend C4. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on voit une des idées de roi B1. Après, pion prend, on va jouer cavalier C1. Et en fait, après cavalier C1, notre idée, c'est d'arriver à mettre le cavalier sur E2, pour ensuite, quand on va mettre le cavalier sur D5, l'autre prendra la place en C3. Je vous laisse suivre les flèches qui expliquent clairement l'idée. Donc, on a l'impression avec les noirs ici qu'on a un peu de jeu, mais c'est très passif en fait, hein. Les deux fous n'arrivent pas à vivre, et on n'arrive pas à trouver du jeu sur la colonne B, parce que dans le pire des cas, on jouerait B3, ou on ramènerait la dame sur C1 pour protéger le pion B. Donc, on n'a pas vraiment de problème avec les blancs. Et c'est vraiment une position très agréable à jouer pour les blancs, cette situation. Donc Yilmaz a fait tour prend C4, cavalier D5. Fou prend D5. Et là, ok, c'est un choix discutable ce qui s'est passé ici. Ali Reza a choisi dame prend D5.
Instinctivement, je pensais moi plutôt que pion prend D5 était le coup. Avec l'idée donc de mettre le cavalier sur C6. Petit roque, par exemple, cavalier A5, gagne temps en plus sur la tour en C4, tour C8. Ok, tour G4 est un autre coup possible, mais tour G4 c'est un peu trop artificiel à mon sens. Donc tour C8, maintenant hop, cavalier C6, dame D7. Et voilà le moment qui est instructif, puisque la question c'est comment est-ce qu'on continue cette position avec les blancs? C'est vraiment un moment clé dans la nage d'or d'une manière générale. C'est un moment très important afin de comprendre les enjeux de cette ouverture. C'est pas parce qu'il y a des rocs opposés qu'il faut absolument se jeter sur le roi adverse. Ici, on voit qu'on n'a absolument aucune perspective d'attaque dans cette position. Puisque le cavalier en H5 bloque parfaitement le pion H4, il est indélogeable, c'est-à-dire que même si je l'attaque avec madame en E2, les noirs vont tout simplement jouer un coup comme G6, et il semblerait après G6 que bah, voilà, rien ne passe. Et les noirs, par contre, eux vont appliquer leur plan habituel, ils vont jouer tour E8, fou F8, G6, fou G7, pour ensuite mettre le cavalier sur F4 peut-être plus tard, et ouvrir cette diagonale pour pouvoir s'en prendre au roi. Et c'est là où tout est la compréhension de la position est vraiment intéressante. C'est que cette position, elle n'est pas stratégique, elle n'est pas tactiquement mauvaise pour les noirs, mais elle est stratégiquement perdante, en fait. À cause d'un coup tout simple, c'est tour C1. En fait, les blancs changent leur fusil d'épaule et décident, je ne sais pas si c'est Ali Reza qui s'est fait un petit pari dans le tournoi de se dire, ben, pendant le tournoi, je vais régulièrement bouger les pions devant mon roi. Mais en tout cas, c'est ce qu'il fait depuis le début du tournoi. Et là, tour C1, l'idée, c'est tout simplement de jouer C4 ensuite et donc de commencer à s'en prendre au pion en A6 et à mettre en marche la majorité. Les noirs pourraient en faire de même, par exemple, après un coup comme F5, qui menacerait éventuellement F4, qui pourrait être embêtant. Mais on ne touche pas ici, on ne prendrait pas en F6, on jouerait Dame E2. Gagne un temps sur le cavalier, G6. Bon, évidemment, le cavalier ne peut pas venir sur F4, puisque le fou E7 serait en l'air à la fin. Exactement, Yosha, G6. Il n'y a pas besoin de jouer tour HD1, en fait, hein, on joue C4 tout de suite. Et l'idée, tout simplement, après pion prend C4, ça va être de faire dame prend, voire tour prend. Mais avec dame prend, on va commencer à jeter un œil sur le pion en A6. Et dame B7, par exemple, on pourrait éventuellement, bon, déjà gagner, on pourrait gagner beaucoup de matériel, hein, parce que ici, je crois que ça, si je dis pas de bêtises, ça gagne la maison, le short, les chaussettes. Parce qu'à la fin, j'ai tour HC1 et on ne peut pas empêcher tour HC7 qui fait mat. Mais même plus prosaïquement, je me demande si on ne peut pas jouer un coup comme tour C3 en fait. Évidemment, c'est beaucoup moins fort que cavalier prend E7 qui gagne du matériel. Mais juste pour montrer l'idée, après tour C3, en fait, nos pièces vont commencer à envahir l'aile dame, tout simplement. Alors que ben, les pièces noires n'arrivent pas à trouver de dynamisme. Donc c'est vraiment positionnellement que les noirs vont souffrir dans cette situation à cause des pions qui sont poussés si loin. C4 tout de suite n'est pas bon, Lucie? Si, si, ça doit pas être. Tu veux dire à la place de tour C1? Oh, c'est pas forcément. Non, ça doit pas être mauvais, je pense. Mais tour C1, on a le temps. Hein. Dans ces positions, on a vraiment le temps. Alors, est-ce que C4? La différence, c'est peut-être que tour C1 peut être F6, non? Quoique non. Non, ça doit être jouable aussi. Parce que du coup, tour C1, si F6, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait C4, je pense aussi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, non, c'est jouable aussi. C'est absolument jouable aussi, C4. C'est l'idée, en tout cas, de la position, d'arriver à jouer C4 afin de. Ah, attendez, hop, j'attendais quelque chose d'important que j'ai maintenant. Ok. Hop. Ok. Ouais, du coup, tour C1, F5, dame 2, G6, C4. F4, mais F4 maintenant, le problème c'est que cette case de 4 devient une case de blocage importante pour les blancs. On jouerait fou D2 tout simplement ici, puis on prend C4, dame prend C4, et on attaque le pion A6, il va falloir le défendre, hein, sinon les pions vont courir trop vite. Et après, dame, après tour E8,
En plus, je crois que toi, il y a peut-être un truc tactique ici. Est-ce que ça marche? D6, tour F7, pion prend E7, dame prend D2. Oui, il y a tour HD1, je pense, à la fin. Voire, oh non, mais il y a même dame C8 échec, pardon. Très joli, dame C8 échec. Mais bon, c'est une idée normale, hein, avec les pièces qui sont autant désorganisées. On voit le cavalier en H5 qui est vraiment spectateur. Et sur pion prend E7, dame prend E7, maintenant les blancs prendraient une initiative assez monstrueuse avec des coups tels que tour HD1. Et bon, bah, la position noire est très très mauvaise hein, avec ce cavalier en H5, encore une fois, qui est vraiment totalement passif. Donc non, ça c'est vraiment une position exceptionnellement difficile pour les noirs. J'ai pas de... Je vois pas trop comment ils peuvent s'activer. Dame F5, c'est qu'un échec, hein, on pourrait tout simplement partir en 1-1. Et il y a toujours le problème de ce fou à résoudre. Et après un coup comme tour F8, par exemple, ah ben non, je prends E7, mais tour CE8, je pourrais jouer éventuellement fou B4, avec l'idée de s'en prendre aussi au pion D6. Et on voit la coordination des pièces blanches, hein, qui est juste exceptionnelle. La dame serait plus ou moins obligée de revenir. Et encore une fois, le thème KE prend E5 existe, le pion en A6 traîne, non pas dame E2, le pion en A6 traîne, enfin les pièces noires sont complètement congestionnées. Du coup, ouais, c'était un petit problème technique, on va dire. Après E prend D5, j'ai pas vu de... Je voyais pas trop ce que les noirs pouvaient faire dans cette position. Donc Roque a été joué... il a joué dame prend D5, Ali Reza. Dame C7. Et en fait, maintenant, son plan, ça va être encore une fois de jouer pour C4. On va encore essayer de jouer pour C4, ou l'autre plan, c'est éventuellement de transférer ce cavalier à la case D5. Comment on ferait? On ferait peut-être cavalier C1... Cavalier D3, B3, cavalier B4, pardon, hop, cavalier B4, et on arriverait à rentrer sur la case D5. Alors le pion C2 n'est pas vraiment, par exemple, si cavalier D2 ça a été joué dans la partie, le pion C2 n'est pas prenable. Hein, les noirs ont joué tour C6 parce que tour prend C2, ça serait un sacrifice de pion positionnel dans le but, justement, maintenant d'envahir complètement l'aile dame. On voit que les noirs sont un peu en retard, et là ça va vraiment être très très difficile pour les noirs cette position, parce que. La dame peut rentrer en A8, en C6, les pions vont tomber, la tour est déjà sur la colonne C, le cavalier peut aussi éventuellement se ramener par-ci ou éventuellement même par-là. Donc c'est vraiment une position abominable si on prend le pion C2. Donc du coup, ils sont revenus en C6, les noirs. Et tour C1, Ali Reza qui décide de jouer piano, petit roque. Et là, il n'a pas joué C4. Il n'a pas joué C4 parce qu'il n'a pas dû aimer tour C8, je pense. Et il a raison. C'est vrai qu'après tour C8, ça serait du jeu. Mais il a été très malin, il a été très prophylactique. Il a joué C3. Un coup très lent. À noter que cavalier F4 n'est jamais possible. Hein. Cavalier F4, j'ai analysé un petit peu. Après, fou prend, pion prend, tout simplement cavalier B3. Le cavalier va se repositionner sur la case D4. On va jouer F3. Et on va adopter un jeu vraiment très lent, très positionnel pour tirer profit des multiples faiblesses de la position noire, avec toujours éventuellement même le potentiel d'attaque sur le roi. Donc vraiment une position exceptionnellement difficile pour Yilmaz déjà. Alors est-ce que le français va réussir à conclure cette position? Ça serait une bonne chose. Tour C2. Et voilà, son idée. C'est donc de doubler sur la colonne C avant de pousser C4. La prophylaxie poussée à son maximum. A5 a été joué, mais alors là, voilà. Alors là, ce type de coup, moi, je vais appeler ça faire une Ali Reza, parce que ça fait quelques fois qu'il nous fait là. Alors, objectivement, c'est pas le mieux, mais ça a le mérite d'être très intéressant. Un coup intéressant ici, c'était cavalier F1, que j'aimais bien, avec l'idée de prendre les noirs à contre-pied. C'est-à-dire qu'on va essayer de ramener le cavalier sur la belle case G4 afin de tirer profit de ces cases qui ont été affaiblies, ce qui forcerait en fait les pièces noires à ne pas pouvoir s'améliorer, hein, à rester sur ces cases-là. Salut Frost. Ben, je fais ce que je peux. Merci en tout cas, c'est gentil. J'espère que ça vous convient. Mais c'est vraiment gentil. Et là, voilà, il a fait un coup. Ouais. C'est une Ali Reza, on va appeler ça. Donc il y avait la Palenka, la manette, la Madjer pour les adeptes de foot. Et maintenant, il va faire une Ali Reza. Faire une Ali Reza, c'est donc mettre son roi d'un côté et jouer B4. Ou alors mettre le roi en B8 et jouer B5. C'est un peu ça. Sa marque de fabrique, j'ai envie de dire, dans ce tournoi. Hein, pour l'instant, il est assez agressif, structurellement surtout. Bah, je sais pas, Yosha.
Je sais pas, ça dépend en fait des joueurs. Je pense que, honnêtement, il y a un moment, pour revenir en arrière, il y a un moment dans cette partie, il y a un moment qui me fait douter, où j'ai du mal à comprendre, c'est ce moment-là, honnêtement. Puis on prend des 5 qui est tellement naturel. Je vois pas, en fait, il reste que les mauvaises pièces sur les positions sur l'échiquier des noirs. Et alors, est-ce que tour A4, ça serait un coup pour empêcher de venir en cavalier en A5? Je me suis posé la question. Et je me rappelle, alors attends, j'avais vu une suite tactique. C'était hyper compliqué. Je crois que c'est ça. Alors bon, évidemment, je ne l'ai pas noté, hein, parce que je me suis dit qu'on n'allait pas en parler. Mais en fait, quand on voit le problème que qu'un cavalier arrive en C6, on se dit, bah, tour A4, c'est un coup candidat. Parce que du coup, on empêche clairement le cavalier de venir sur A5. Mais ici, bon, il y a une suite tactique énorme à voir, mais bon, elle est extrêmement esthétique et extrêmement profonde. C'est le coup cavalier C5. L'idée, c'est qu'après pion prend C5, qui est plus ou moins forcé, parce que sinon on perdrait le pion en A6. On joue D6 maintenant. Donc le fou, bien sûr, ne peut pas reculer, puisque évidemment, après D7, ça serait un petit mat des familles. Et du coup, il ne peut pas roquer non plus, parce qu'après roque, il y aurait, je crois, B3, c'est ça. Et sur tour G4, dame E2, et la tour n'aurait plus de position de case, puisqu'après tour B4, on prendrait tout simplement sur C5, et on attaquerait à la fois la tour et on menacerait la fourchette en E7. Et donc, le dernier choix qui se proposait au noir, c'est dame prend D6, dame prend D6, fou prend D6, tour prend D6. Et donc, cette position, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être 2500. Je répondrai à vos questions ensuite. Je vous dis juste, voilà, ça, c'était une ligne très intéressante, ça aussi. J'essaye de le faire de tête, mais je me rappelle qu'ici, ouais, les noirs étaient très mal parce que la structure, en fait, s'effondre. Les pièces blanches sont trop fortes. Et donc, là, les pièces vont vraiment, littéralement, disparaître les unes après les autres. On peut jouer C4 éventuellement hein, pour essayer un petit peu de changer le caractère. Mais après tour prend A6 par un petit roque, d'autant plus que le roi en plus serait maintenant loin. Tout simplement un coup comme tour B6. Et en fait, on va juste collecter les pions petit à petit. Et donc la position blanche serait clairement avantageuse. Mais bon, ok, cavalier C5, c'est pas évident non plus à voir, même si c'est très joli. Ce B4 est tellement difficile à voir à 18 ans qu'à 40. C'est un coup. B4, c'est... Non, B4, c'est un coup logique d'un point de vue purement stratégique. C'est un coup tout ce qu'il y a de plus logique. Pour ceux qui ont vu les parties du Cap d'Agde, je vous invite à voir la première partie de la finale entre Veselin Topalov et Luka Moroni. Et Topalov a fait exactement ce même type de concept dans une espagnole. Il a fait grand roque, puis il a fixé le contre-jeu avec B4 pour ensuite s'en prendre aux cases. Sauf que les pièces noires n'étaient pas aussi mobilisées déjà de l'autre côté. C'est ça la différence, c'est qu'il avait le temps de réorganiser tout ça. Mais c'est un coup, non, le coup B4 en lui-même, c'est comme hier, le coup roi D7, c'est pas un coup qui m'a estomaqué, puisque c'est un coup qui existe dans de nombreuses autres lignes. C'est une idée en tout cas qui est assez logique dans beaucoup d'autres variantes, dans beaucoup d'autres ouvertures, que quand on a un peu de culture, on va dire, on a pu déjà voir. Donc c'est pas un coup sensationnel. La conception, par contre, d'avoir joué H6 pour provoquer le truc, jouer tour C8, attendre que l'adversaire joue G4, pour ensuite mettre le roi sur B8 et ensuite jouer B5, ok, ça c'est profond, c'est quand même pas mal. Et à mon avis, la conception, enfin cette idée-là, il l'a conçue bien avant le fait d'avoir joué au roi D7. Il n'est pas arrivé à la position et il s'est dit, bah, tiens, je joue au roi D7. Il l'avait conçu avant. Et c'est ça qui est très impressionnant. Parce que Alireza, c'est un jeune joueur. Donc, je lui ai fait le reproche, moi le premier, comme j'ai pu le faire à Wesley aussi, où j'avais Wesley So, j'avais la sensation que c'est des joueurs qui manquaient de profondeur, de compréhension. Parce qu'il manquait de culture. C'était vraiment des enfants purs de l'ordinateur, avec un jeu très préconçu. Et en fait, je me suis rendu compte que. Ben je me rappelle quand Wesley avait perdu contre Maxime, de la même manière que Tatai avait perdu contre Karpov, la même ouverture, la même erreur, où, alors une fois, il a mis une tour en C6 dans une estonienne, Nakamura lui a attaqué et il l'a enlevé, alors que, ben, on sait qu'il faut laisser la qualité en C6. C'est des choses qui montraient une certaine naïveté, on va dire, dans l'approche. Et en fait, ben, ils ont corrigé ça. Wesley So, il a clairement corrigé ça, en mettant des lunettes. Mais il l'a corrigé dans le jeu, clairement. Et
Alireza, il est en train de montrer vraiment une telle profondeur de compréhension d'une manière générale qui est vraiment très surprenante et très rare pour son âge. Laurent m'avait dit il y a quelque temps déjà qu'il avait ressenti ça chez lui, je m'en rappelle, et j'avais des doutes, et ben, en fait il est juste en train de, voilà, de faire taire mon scepticisme, même si mon scepticisme n'a absolument aucune valeur et aucune légitimité hein, par rapport à des joueurs du top, mais c'est très impressionnant, voilà, pour un jeune joueur de son âge. Ouais, B4 c'est dur à trouver, mais pas vraiment, parce que le roi il est quand même bien protégé, les deux tours sont là, le cavalier est pas loin, la dame protège aussi. Ok, on n'est pas en danger du tout, mais en fait c'est le concept de fixer les pions pour ensuite s'en prendre à la structure, c'est pas mal. Si par exemple les noirs jouent A4 ici, on va jouer tout simplement A3, et maintenant le coup C4 aura encore plus de force, et le pion B4 est dans les starting blocks, il est protégé par le pion A, et il est prêt déjà à aller se promouvoir, parce que c'est clairement l'idée, hein, vous allez le voir, il va pas pour autre chose que ça. Ici, sur B4, il y avait un coup quand même où les noirs avaient une chance, c'est cavalier F4. Cavalier F4, il fallait garder la tension, en fait. Et ça, c'est pas si clair, franchement. J'ai regardé un petit peu et j'ai du mal ici avec les blancs à trouver quelque chose, en fait, pour aller beaucoup plus loin. C'est pas si simple. Mettre une pièce en C6, c'est pas trivial non plus, parce qu'on peut mettre la dame en G4, par exemple. La dame peut très bien trouver du contre-jeu de ce côté-là. Le roi peut se retrouver un peu exposé avec le fou qui peut se placer sur H8. Oui, B4 c'est rien sans les prochains coups, mais la conception n'est pas juste. C'est ça que je veux te... Non, la conception est intéressante, Yosha, mais elle n'est pas forcément juste. C'est-à-dire que les noirs ne sont pas sans défense devant cette conception. Pion prend D5, je vois pas de contre-jeu honnêtement. Après, je suis pas un expert, je suis pas spécialisé, mais je voyais pas de contre-jeu. Là, après cavalier F4, c'est pas si clair. Et même après, tu verras. Ok, Yilmaz, il a joué. C'est logique, hein, il a joué le coup tour C8. Bon, on ne peut pas lui reprocher d'avoir le tour C8, hein, il met une tour sur une colonne ouverte, et là, A4. Ça, par contre, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est vraiment autre chose. Alors, A4, moi, je suis pas hyper fan. C'est pas le coup... Enfin, je suis pas hyper fan. C'est facile avec l'ordinateur. Dame prend B5 était pas mal, avec idée sur pion prend B4. Là, donc, d'avoir la même idée que la partie, avec dame prend C6... Et pion prend B4 qui gagne immédiatement. Donc dame prend B5, ça me semblait être un coup possible avec l'idée s'il revient en B8. Maintenant on joue dame A4. Et quand il prend sur B4, bah juste on fait ses prends. Puis on va jouer A3 derrière. Et les blancs n'ont pas le temps de jouer D5 hein, parce qu'il y a trop de pièces en l'air sur la colonne C. Mais ouais, A4 c'est un coup. Ça c'est un coup de. Ça montre le degré de confiance du joueur en fait, tout simplement. Il est dans une situation où il a vraiment un degré de confiance maximal. Hein. Tout ce qu'il fait, ça passe. Il vient de gagner le Grand Suisse. Il vient de commencer avec 2,5 sur 3 en battant deux joueurs. Moi, je me rappelle, hein, quand je travaillais pour l'équipe de France, quand on jouait l'Autriche, personne ne se battait pour jouer contre Marcus. Hein. Tout le monde voulait sortir. Voilà. Oui, voilà. A4, j'imagine la tête de Sébastien quand il voit A4 sur l'échiquier. Mais en fait, quand on voit A4 sur l'échiquier, on a l'impression que c'est presque gagnant. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait le gars? S'il prend sur B4, il est foutu. S'il prend sur A4, je vais jouer B5 et créer des pions passés. Ça a l'air d'être un coup juste de magicien, en fait. Ça a l'air complètement écrasant. La réalité est un peu plus compliquée, mais bon, évidemment, il faut jouer comme un ordinateur. Et donc, c'est pour ça que, humainement, c'est un coup fantastique, A4. D'un point de vue purement échiquéen, c'est pas correct. Mais d'un point de vue humain, c'est absolument génial, quoi. La conception est fantastique. Il a fait prend B4, Yilmaz. Qui perd immédiatement la partie, enfin, en tout cas qui donne un avantage gagnant pour les noirs, pour les blancs. Ici, il fallait prendre en A4 en fait. Il fallait permettre B5. Et maintenant dame B8. C4. Et ici, cavalier F4. On est obligé de manger. Et ce petit coup intermédiaire qui change pas mal de choses, tour C5. Dame D3, puis on prend F4. Et c'est pas facile dans cette position pour les blancs de progresser. J'ai pas trouvé de facilité en fait. On va mettre le fou en G7 et je vois pas comment les blancs bougent en fait. J'ai pas trouvé ça vraiment facile en fait. Bon, il y a des idées, hein. C'est pas nul le machin. Les blancs peuvent ramener le cavalier sur D4. Hein. Mais la position est extrêmement tendue en fait. Extrêmement compliquée.
Mais Yilmaz, il a fait un choix humain, il a pris sur B4, mais en oubliant une conception qu'Alireza, lui, n'avait pas oubliée. Ici, le génie français, Génie Chartrain, va ajouter un point de plus et mettre l'équipe de France sur les bons rails en trouvant une combinaison, une conception sur le long terme qui est juste géniale, mais qui est bon, pas très facile, très compliqué à voir, mais bon, certainement, il l'avait vu depuis longtemps, mais qui justifie absolument tous ses derniers coups, que ce soit C3, tour C2, tour C1, B4, A4, tout est justifié maintenant. Et maintenant, Dame prend C6. Que dire? Voilà. Dame prend, et puis on prend B4, qui ouvre la colonne C sur la tour en C8. Évidemment, la dame ne peut pas juste bouger, hein, parce que si on capture le pion en C8, si par exemple il joue Dame D7, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise, on va juste prendre, et on va juste pousser le pion A, qui va aller irrémédiablement se promouvoir. Magnifique. C'est juste magnifique. Donc Yilmaz, il a joué Dame prend C2, tour prend C2, tour B8, il faut garder les tours hein, bien sûr, parce que si on échange en C2, maintenant la finale est tout simplement gagnante, puisqu'on va juste mettre le pion sur B7 et le fou sur B6, ou le cavalier en C4 même, enfin bref, on va gagner, puisqu'on va gagner la pièce grâce au pion de B. Non, A4 n'est... Non, mais il faut... Je ne sais pas comment expliquer. A4, c'est très très bon. C'est très très bon parce que cette position, même si je pense bien que Yilmaz, il a envisagé ça, B prend A4, enfin, attendez, hop, B prend A4, B5. Donc oui, comme Yosha, je ne voulais pas te préciser, mais tour prend C3, ça ne marche pas. Non, ce n'était pas dans cette position. Là, on prend juste en C3. C'était au coup d'avant. Je sais plus quand c'était. Je sais plus dans quelle analyse. Bref, c'est pas important. Mais sur A4, B5, Dame B8, C4, cette position, elle est extrêmement compliquée. Enfin, je veux dire, c'est pas évident ici avec les noirs de se dire tout va bien parce que on peut aussi envisager que le cavalier vienne piquer A4, on voit le pion passer protégé. C'est impossible de se dire avec les noirs, je vais jouer cette position et je suis tranquille. Donc voilà, d'un point de vue échiquéen, moi, si j'ai cette position avec les blancs, je me dis, je suis en train de le massacrer. Je vais mettre le cavalier en F3, je sais pas, par exemple, cavalier F3, fou, j'ai fuite. Un petit coup, même, je peux même maintenant ouvrir peut-être le roi comme ça, enfin, j'en sais rien. Je peux jouer roi A2 aussi, aller chercher le pion A4 avec mon roi. Et je vois pas le contre-jeu de mon adversaire, en fait. Je vois pas ce qu'il va faire. Je vois pas du tout où les noirs vont essayer de m'embêter. Mais vraiment pas, quoi. Je voir roi A3 et c'est tout, quoi. Roi A3, roi prend A4 donc ouais, mais l'ordinateur arrive à tenir ça et même donner un léger avantage pour les noirs dans cette position. Donc ok, c'est pas concevable en fait cette position pour les noirs, mais c'était le meilleur choix. A prend B4, oui, il perd, simplement à cause de cette ligne. Tour B8 et maintenant A5. Et là, c'est juste terminé. C'est littéralement terminé, puisqu'après cavalier F4, Alireza va juste ignorer ce cavalier en F4, mettre la tour sur la 7e et gentiment aller promouvoir son pion A. Alors, Yilmaz s'est bien battu quand même, hein. Il a trouvé des petites embrouilles, on va dire, pour essayer de compliquer les choses. Mais bon, voilà, cavalier B3, et maintenant la position est juste terminée. Puisqu'après un coup comme pousse C7, donc là il y avait abandon après cavalier B3, abandon de Mustapha Yilmaz. Et ouais, puisqu'après fou C7, on va juste piquer B5, puis mettre la tour en B7, monter le roi. Et donc la partie est juste complètement terminée avec ce fou en E3 et ce pion en A7 qui scotche définitivement les pièces noires. On peut noter le manque de coordination des pièces noires. Hein. Le cavalier en A6 qui est plus de case, le fou qui est obligé de rester là, la tour qui est obligée de rester là aussi. Enfin, c'est une véritable catastrophe la position noire. Mais quelle partie une nouvelle fois d'Alireza Firouzja. Une partie sensationnelle, vraiment magnifique, qui montre vraiment son état de forme. Hein. C'est assez incroyable cette facilité à mettre des points. Très facilement contre des joueurs aussi forts. Mais
Que dire? Que dire? Bravo, juste un grand bravo et on a énormément de chance d'avoir un joueur pareil en équipe de France, ça amène un crédit incroyable. J'aurais bien aimé avoir Sébastien un jour pour qu'il nous donne un peu son avis sur la question, mais il doit être complètement époustouflé. Et le pire, c'est qu'on n'en a pas qu'un, on en a deux. Parce que Maxime, ok, bon, Maxime n'est pas dans sa forme optimale en ce moment, mais il est pas mal quand même, mais il est loin d'être dans sa forme de killer hein, habituelle. Et bon, il est un peu moins. Il est un peu plus souciant quand il joue. Donc, du coup, voilà, il lâche pas des coups au hasard comme ça. Je dis pas que Aliasa lâche des coups au hasard, hein, je veux dire, mais les conceptions ne sont pas les mêmes, quoi. Donc, géniale victoire du jeune Chartrain, qui donc permet à l'équipe de mener 1-0. On allait voir la partie suivante. La partie de Maxime Vaché-Lagrave face à Dashtan, un jeune grand maître aussi. Hop, on va faire un truc, on va flipboard, chose qu'on nous demande régulièrement. On va tourner l'échiquier. Et donc, ouais, on va voir la partie de Maxime, donc, qui affronte un. Non, Lucie, non, on peut pas dire que heureusement qu'Alireza est là. Alireza, c'est une addition énorme à une équipe qui est quand même déjà initialement très forte. Enfin, je veux dire, l'équipe de France, elle a pas attendu Alireza pour avoir des résultats dans les championnats internationaux. D'autant plus qu'on n'en a pas pour l'instant. Et il y a déjà des joueurs qui étaient très forts dans cette équipe. Mais il amène un truc exceptionnel. C'est-à-dire que on peut même pas mesurer à quel point l'équipe devient juste passe de juste forte à exceptionnellement forte. Donc c'est incroyable à quel point l'équipe s'est changée juste avec l'arrivée d'un joueur pareil. Voilà. Donc du coup Maxime Vaché-Lagrave affronté avec les Noirs le jeune Dastan. Et donc Dastan qui va commencer par D4, cavalier F6, C4, G6. Non, attendez. G6. Bah, Maxime. G6, eh non, il a joué E6. Bon, bah écoutez, bizarre, hein, Maxime qui joue pas sa Grunfeld. Salut GG303. Alors, on n'en est pas encore à l'appareillement de demain. On en est encore à qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque on fait comme si on ne connaissait pas le résultat. Voilà. Donc, je vais accélérer un petit peu pour la suite quand même, parce que sinon, ça fait déjà presque 1 heure qu'on a fait sur la partie d'Alireza. Mais il y a eu d'autres parties, il y a eu un match très tendu et très intéressant. Donc cavalier C3 joué par Mohamed Dashtan, et là Maxime qui ne joue pas fou B4 et qui joue D5. Hein, gambit de la dame. Alors je ne sais pas ce qu'il avait préparé, est-ce qu'il avait préparé une semi-slave, est-ce qu'il avait préparé une viennoise, une gambit dame classique, mais en tout cas il a joué un gambit dame et son adversaire qui décide face à la surprise, hein, bien sûr, hein, c'est Maxime qui joue ça, c'est quand même. On peut s'imaginer que Dashtan, en jouant D4 C4, qu'il a préparé toute la matinée à la Grunfeld, plein de nines pour faire nul, mais Maxime qui décide qu'il en a marre de faire des nuls contre des joueurs qui pensent pouvoir battre, ce qui est assez justement pensé, il décide de jouer autre chose pour forcer l'adversaire à jouer tout seul. Et son adversaire qui choisit donc un schéma solide. Et safe, c'est-à-dire que dans ce type de position, normalement, avec les blancs, on est tranquille. On verra, Yosha. On ne spoile pas. Donc, on a une structure Carlsbad. Alors, évidemment, ça, c'est un peu la hantise des joueurs de D4, D5, des gambits de dames. Alors, je peux vous le dire, parce que j'en ai quelques élèves qui ont vécu ce traumatisme, et pas que, hein, moi aussi, c'est pas une position que j'ai aimé affronter pendant longtemps. Et en fait, maintenant, il y a beaucoup d'antidotes, on va dire, à ces idées, notamment celle que Max va jouer. Alors, est-ce qu'il va essayer de tirer plus que ça, on verra. Donc, KB D7, logique, cavalier E2. Alors, les blancs ont joué cavalier E2, c'est pas le meilleur coup ici. Pendant très longtemps, on a joué dame C2, et en fait, ça permet justement ce schéma. Ce schéma permet soit H6 cavalier H5, soit cavalier H5 immédiatement, qui est une idée un peu nouvelle. Donc là, on doit jouer cavalier E2 maintenant, et cavalier B6, et après on joue E6, et grand roque. C'est un schéma très intéressant, ça peut retomber dans la partie, vous verrez.
Mais ça fait partie des nouvelles Carlsbad, parce que bah, maintenant, c'est pas du goût de tout le monde de jouer cette position, c'est-à-dire soit celle-là, ou soit celle-là. Alors, d'expérience, je peux vous dire que c'est beaucoup plus sympa de jouer ça avec les noirs, même si c'est censé être beaucoup plus dangereux, que de jouer celle-là. Ça, c'est pas marrant du tout à jouer pour les noirs. Même si c'est pas la réfutation, hein, attention, hein, c'est juste une position classique, mais bon, avec les noirs, on n'a pas une position très dynamique et vivante. H3, c'est un coup récent. C'est un coup qui est très très utilisé récemment. Dans le but justement de ne pas permettre le coup cavalier H5. On laisse la dame sur D1 pour l'instant. Et on laisse les noirs dans l'embarras. Et donc du coup, les noirs n'ont pas la possibilité ici de jouer cavalier H5 et de libérer leur pièce comme ils veulent. Donc en général, l'inconvénient, c'est que comme la dame est encore sur D1, on peut jouer cavalier H4 tout de suite. Voilà, qui est un coup qui, on va dire, libère la position. Mais là, la feinte, c'est que les blancs ne prennent pas en E7, mais jouent fou F4. Et c'est vraiment un autre type de position qui peut arriver. Cavalier E2, donc, a été joué. H6. Fou H4. Alors, une nuance qui est très importante, c'est ici, on peut jouer. On n'est pas obligé de jouer cavalier H5. H6, on peut jouer cavalier H5 tout de suite. Alors, je connais un peu ces positions puisque je les joue avec les noirs. Alors, non, cavalier E2. Alors, attendez, on va tout prendre dans l'ordre parce que la Carlsbad, c'est vraiment très précis. Ce cavalier E2 là, oui. Ce cavalier E2, il est dans le but de jouer petit roque et plus tard de jouer F3, tour 1 ou tour D1 et plus tard de jouer pour E4. Un plan qui est réputé comme étant très dangereux pour les noirs, mais qui en fait est aussi très dangereux pour les blancs. Il y a eu beaucoup de parties récentes jouées sur le sujet et les noirs s'en sont plutôt très bien sortis. Avec des résultats plus que bons. Beaucoup de victoires même pour les Noirs. Notamment cette partie entre Mamedyarov et Radjabov à la Coupe du Monde, l'année où Radjabov l'avait gagné. Et puis Ali Reza qui en a joué beaucoup avec les Noirs, hein, contre Magnus d'ailleurs, il me semble. C'était au Norway Chess de cette année ou de l'année dernière, je ne sais plus. Mais Kasparov ne jouait que ça, oui. Kasparov, oui, contre Anderson, il y a une partie très célèbre de Garry Kasparov contre Anderson. Et cavalier F3, c'est la structure Carlsbad pure, avec l'idée de l'attaque de minorité, ou éventuellement de l'attaque à la Pillsbury, non, c'est ça? Je crois. Avec cavalier E5 et F4. Voilà, donc ça c'est notre petite possibilité. Cavalier E2 dans cette position, c'est pas pareil, parce que du coup, après H6, qui n'est pas le seul coup, comme je l'ai dit, fou H4 et cavalier H5, l'idée des blancs, c'est plutôt d'essayer de prendre de la case F5, parce que c'est le problème du coup H6. C'est que le coup G6 est beaucoup plus difficile à jouer, étant donné que le pion G6 serait protégé une fois de moins. Donc les blancs auraient beaucoup de possibilités tactiques sur le pion. Donc ça, c'est le seul inconvénient. Mais c'est la partie. Et ici, il a joué G4. Et G4, c'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup dans cette position, Dame D2. Je le sais parce que je l'ai joué. C'est un coup qui a été mis au goût du jour par Mamedyarov avec les blancs. Avec l'idée de jouer grand roque et de continuer par F3 et E4. Donc la dame aurait pour but donc de protéger le pion E3. Il avait joué ça contre. J'ai mis la partie dans. Je vais pas vous la montrer, sinon on va passer 2 heures, même plus. Contre Michael Adams en 2017. Le grand maître, le numéro 1 anglais depuis des siècles, Michael Adams. Donc voilà la position. Et le joueur turc qui va, quoi. Il joue G4. Alors c'est pas hyper précis. Et ce qu'il y a encore moins, c'est son prochain coup. Cavalier G3, c'est pas terrible. Ici, il valait mieux jouer H3, en fait. Et garder pour plus tard, sécuriser ce pion, de façon à pouvoir libérer la dame de sa protection, et de voir plus tard où on allait mettre le cavalier. Cavalier G3, c'est un petit inconvénient, parce qu'après cavalier B6, ici, on doit faire H3. Mais le problème, c'est qu'à H3, les noirs sont dans les temps, et jouent G6. Et le cavalier G3 est mal placé. H5 peut être un coup aussi, qui peut être assez désagréable. Et la position noire est tout à fait OK ici. Les blancs ont joué cavalier F5, qui peut sembler dangereux, mais en fait, les blancs sont déjà mal dans cette position. C'est difficile à croire hein, quand on la voit, cette position comme ça, de se dire que les blancs sont mal. Mais en fait, ils sont déjà même très très mal ici. Maxime a joué dame F8, qui n'est pas le seul coup. Et je me demandais justement, je lui demanderai à l'occasion d'être. Pas pris tout simplement F5. Oui, dame D2, c'est curieux, Lucie, mais c'est assez logique. Oui. Ça a vraiment une certaine logique.
Et l'idée, en fait, c'est que je comprenais pas, en fait. Parce que s'il fait... Alors, s'il fait pion prend F5, ici, on fait petit roque, en fait, tout simplement. On n'a plus rien à craindre sur cette colonne, le roi blanc est encore au centre, et en fait, on va jouer C5 derrière et avoir une initiative assez colossale. En sachant que, bon, la colonne G, c'est vrai que ça fait peur, mais on peut jouer roi H8, tour G8 pour protéger, au pire. Mais le coup C5 qui arrive va faire mal, quoi. Ça va faire très très mal, même. Donc, ça, c'est une position qui me pour les noirs. Et si fou prend F5, maintenant, on fait K et C4, la manœuvre classique, dans toutes les structures de Carlsbad, ça, c'est une manœuvre que vous devez vous rappeler. C'est que ce cavalier, hein, qu'il soit en D7 ou celui-là, sa case, c'est la case D6. On fait cavalier C4, dame 2, cavalier D6. C'est la case idéale pour le cavalier dans la Carlsbad, puisque d'ici, il a une vue sur les deux cases faibles, et il protège aussi les avancées B4, B5, il protège la case d'entrée potentielle en B7, et il permet aussi sur un coup, bon là, je vous montre, je vais jouer B4, mais c'est pas le coup, hein, mais sur un coup comme B4, on peut même jouer B5. Et donc, on gagnerait définitivement cette case et on continuerait par A5 derrière. Ce serait une véritable embellie pour les pièces blanches, pour les pièces noires. Donc là, fou D3 serait plus ou moins forcé. Et H5. Un coup très très classique dans ce type de structure. L'idée, c'est qu'après G5, cavalier E4, le pion HG5 est en l'air, donc on fait H4. Et après G6, eh ben, on va juste roquer du petit côté maintenant et on va tout envoyer de l'autre côté. Avec éventuellement, dans les finales, on a des possibilités de jouer F6 et d'ouvrir la colonne. Donc ça, c'est une position pour les noirs qui est juste idéale. Il n'y a pas grand-chose à dire. La position noire est juste parfaite. C'est très connu, ce type d'idée. Dame F8 a été joué par Maxime, qui est pas bête, hein. Il veut préparer G6 et dire au cavalier, t'as rien à faire ici. Dame F3 joué par le joueur turc, G6, qui permet cavalier prend H6 ici. Alors, il y avait deux possibilités de prendre. Il y en a une qui a été refusée, je pense, assez rapidement, c'est de tour prend. À cause de G5, mais c'est pas évident cette position, bizarrement. Parce que malgré le pion de plus des blancs, les noirs vont avoir beaucoup beaucoup de jeux, beaucoup d'activités, avec la tour qui va arriver sur H8, le cavalier qui va revenir se replacer sur D6, il y a des compensations. Pas plus que ça, hein, les noirs ne peuvent pas prétendre être mieux dans cette position, mais on a quand même quelques compensations avec les noirs pour le pion. Maxime a décidé de jouer à égalité matérielle, il a fait dame prend H6, dame prend F6, fou prend G4. Il récupère son pion, mais la dame en F6 a une position assez désagréable. Elle nous empêche de roquer. Bon, on menace de la chasser quand même avec dame H4 éventuellement, voire avec cavalier D7 qui ferait très très mal. Dame E5 échec et E6. Au début, je pensais que roi D7 pouvait être un coup, mais les blancs, en fait, ici, ils ont un moyen assez sympa de sauver la partie, c'est de jouer cavalier B5. On ne peut pas prendre, hein, puisqu'on serait mat, comme ça. Tac, tac, tac. Tac. Et le roi est obligé de passer sur la colonne C, et ça va être la catastrophe, puisque fou prend C4, puis on prend C4, tour prend C4, roi D7. Pardon. Oula. J'ai un petit lag, excusez-moi. On va prendre sur F7, et puis bon, l'attaque de mat est juste terrible. Donc du coup, on doit jouer sur cavalier B5, dame F8. C'est un coup un peu acrobatique, mais en fait on s'en sort. Le cavalier n'a pas de bonne. Il n'y a pas de bon coup là d'attaque. Si le cavalier revient, on va juste placer la dame sur D6. Du coup, il va faire un petit perpétuel comme ça. Donc, dame E5 échec, fou E6. Dame C7. Dame F8. Dame prend B7. Dame D6. Et visuellement, les blancs ont l'air pas mal, hein. Ils ont piqué un pion, les pièces ont l'air plutôt bien. Mais en fait, c'est plutôt. Il faut faire attention avec les blancs. Ça peut très vite partir en vrille, hein, comme on dit. Alors, grand roque, ici, serait une faute, par exemple. Puisqu'après grand roque, fou c'est vite. Pique la dame. Donc la menace dans cette position, c'est clairement de jouer fou c'est vite. Ce qui force la réponse blanche, qui est dame A6. Et maintenant, on va piquer en H2. Alors, tour par H2 n'était pas le seul coup. Et j'avais noté que fou G4 était intéressant ici, pour empêcher le roi de roquer. Et la petite faute de Dashtan, même c'est même une sérieuse faute, il fallait faire grand roque. Il fallait faire grand roque avec l'idée de donner le pion F. Et de commencer l'initiative, de continuer l'initiative avec cavalier A4. Tour C8, par exemple, cavalier C5, roi E7, E4. Et une position compliquée.
À la place, il a pris sur H2, qui est assez logique. Il a joué cavalier A4 maintenant. Mais Maxime a tranquillement repoussé les pièces noires. Les pièces blanches, pardon. Tour B8. B3. Tour B7. Cavalier C5. Tour E7. J'aime beaucoup comment Maxime, en gardant le roi au centre, a réussi à mener une offensive sur le roi blanc. Tout en... Putain, j'ai failli... J'ai ma chaise qui s'est légèrement affaissée, désolé. Accident en direct. Ça, c'est pas mal, ça. Bon, je le revois en direct. J'aime beaucoup la manière dont, dont Maxime a réussi, a réussi à organiser ses pièces pour attaquer le roi blanc tout en maintenant son roi au centre. C'est plutôt sympa. Dame D2. Et fou G4. Et c'est... On voit, hein, la coordination des pièces. Fou F1. Ici, il a raté un truc, il a raté un truc important, Maxime. Il a joué F5, qui donnait une petite chance de s'en sortir. Ici, il fallait continuer classique, de manière très classique avec cavalier C8, cavalier D3, cavalier D6, et ne pas craindre cavalier E5. À mon avis, c'est de ça qu'il a eu peur, à cause de tour prend E5. Mais bon, c'est facile à dire une fois à la maison. Et cavalier E4, et on se rend compte que maintenant, bah, les pièces blanches sont complètement tenues à la défense du roi, et les noirs vont tranquillement améliorer leur position. Avec des coups comme par exemple roi E7, cavalier G5, avec le roi qui va venir en E6, et tout va bien pour les blancs, pour le noir, pardon. Mais il a joué F5, F5 qui remet les blancs dans le jeu. Il a peut-être regretté ce coup F5 par la suite, mais même si c'est quand même très agressif, hein, c'est très direct. Oui, c'est déjà arrivé des joueurs qui se vautrent pendant les parties. Cavalier D3. Cavalier D7, on prive le cavalier des cases D5 et C5. On notera que le cavalier ne peut pas venir sur F4 à cause de dame prend. Tour C1. Tour E6. Et cavalier C5, c'est la faute décisive. Il fallait jouer cavalier B4. Et maintenir l'attaque. Et je vois pas de défense. Enfin, j'ai pensé à ça. Mais en fait, les blancs, ils ont le contre-jeu suffisant ici, parce qu'il y a échec. Et on est obligé de repartir sur la colonne E, et chaque fois, il menace de rentrer sur la colonne C, et on est obligé de... On l'empêche, avec roi D8, mais il nous ramène tout de suite à la réalité. Il y a même cavalier F7 hein, qui fait le même effet. Mais tout de suite, il nous ramène tout de suite sur la colonne E, hop, et on est obligé de revenir. Mais cavalier C5, grosse faute, énorme faute. De Dastan qui permet à Maxime de prendre et d'un coup, bam, F4, de lancer une attaque décisive contre le roi blanc. Et tour C3, dame G1, aïe aïe aïe, la position blanche qui devient très complexe avec le coup fou H3 plus l'avancée du pion G. Et donc Maxime va-t-il conclure, dame G3. Les noirs maintiennent toute l'attaque, en plus on ne peut pas prendre parce qu'après pion prend, le pion G serait décisif. Fou A6, G5. Très joli coup de Maxime G5, qui permet de passer la tour sur la colonne H pour maintenir l'attaque contre le roi blanc. Et après, puis on prend F4, il est revenu, hop, sur E6. Et donc les noirs, les blancs vont abandonner, puisqu'après roi F1, dame H3 échec, roi G1, dame H1 serait mat. Et donc, une belle victoire de Maxime Vaché-Lagrave dans une partie extrêmement complexe. Belle victoire hein, nos deux premiers échiquiers, nos deux leaders qui ont mis l'équipe sur de bons rails avec 2 points. Donc, l'équipe de France qui est assurée du match nul dans ce match. Mais attention aux accidents. Et donc, on va voir le troisième échiquier avec cette partie d'Étienne Bacro face à Emre Can. C'était donc une. Philidor. Fou E7, petit roque, tour 1, A4. On a déjà vu un peu ces idées-là dans les parties de Marie hier face à Zidonia Lazarné. Et A5, j'avais proposé cette idée aussi hier dans la partie de Marie. Elle avait joué fou A2 ou elle avait joué H3, je crois d'abord, je ne sais plus. L'idée d'A5 est intéressante hein, d'aller mettre le pion et vous allez voir hein, dans la partie que ça a vraiment son importance. Tour B8.
Et là, fou B3. Alors, fou B3, ça me plaisait pas trop. Etienne, il a beaucoup réfléchi à ce moment-là. Mais bon, ok, encore une fois, c'est facile de critiquer. Il y a une conception ici qui est intéressante, c'est le coup fou F1. Parce qu'on garde le fou dans ce sens de l'échiquier, puisqu'on va développer notre jeu de ce côté-là de l'échiquier. Et maintenant, D5. Et de jouer une position de ce type, avec l'idée clairement d'aller envahir les cases de l'aile dame, avec KC4, fou E3, cavalier A4, cavalier B6, puis ensuite B4, C4. Donc une position plutôt type Svechnikov ou Nash d'or, avec l'idée d'aller vraiment mettre la pression sur l'aile dame. Etienne a choisi fou B3, bon, c'est pas un mauvais coup, hein. Tour E8, pas terrible. Ici B5, il faut absolument se débarrasser de ce pion. Il faut absolument jouer B5. Ouais. Ici, tour E8, c'est pas hyper précis, ça permet aux noirs, encore B5, bien sûr, une fois. Mais les noirs ont décidé de faire un schéma différent, et met fou F4. Etienne qui donne le fou de case blanche, afin de mettre la pression sur le pion D6. Et donc la position est vraiment très difficile ouais, pour les noirs, déjà, malgré la paire de fous. Ils n'arrivent pas, en fait, à cause du clouage du fou en F4. Fou F4, c'est un coup très malin parce que. Une des ruptures habituelles dans ce type de position, c'est le coup D5. Et le fou en F4, ici, il empêche la poussée D5. Et on ne voit pas de développement facile pour les noirs. Les noirs ont joué fou E6, cavalier D4, fou F8. Et là, excellent coup d'Étienne Bacro, A6. Voilà hein, toute l'idée de cette avancée du pion A, qui va ruiner définitivement la structure. Le pion A n'est pas prenable à cause de la fourchette en C6. Il ne peut pas donc avancer. Donc les noirs ont joué cavalier D7. Et B3, petit coup prophylactique contre l'ouverture de la colonne B, comme ça le pion n'est plus en l'air. Prend la case du fou aussi. Donc les blancs maintenant ont un net avantage pour l'instant. Superbe début de partie d'Étienne, qui est en train de complètement écraser son adversaire. Dame D3, magnifique coup Dame D3, hein. C'est un coup très logique, hein, mais c'est un coup qui menace d'aller voir ce qui se passe en A6 pour aller taper sur le pion en A7, mais qui menace aussi de coulisser la dame sur la troisième rangée. Pour mettre la pression sur la diagonale et menacer des fous prend H6. Donc Dame D3, c'est vraiment un coup très difficile hein, dans cette position pour les noirs. C'est pas facile de donner un bon conseil. Hein. Je pense que la position est déjà quasiment terminée. Dame A6, c'est une menace terrible. Et cavalier C5, ça serait vraiment un bon coup pour empêcher la dame de venir sur A6. Mais Dame G3. Et Dame G3, double menace imparable. Salut la torche! Donc, la menace Dame A6 est vraiment décisive. Hein. Franchement, tour EC8 par exemple, bah, il y aurait Dame G3 encore une fois. Et si on joue Roi H8 pour enlever le coup Dame G3, maintenant on joue Dame A6. Et avec double attaque, hein, on attaque le pion et le pion là. Et du coup, c'est très compliqué pour les noirs de trouver une idée. Hein. Dame B4 peut-être. Mais Dame B4, on peut même peut-être jouer Dame A5. Non, Dame A5, il y a Dame prend D4. Non, Dame A5, il y a Dame prend D4. On va prendre d'abord en E6, pardon. On prend d'abord sur E6, puis on prend E6, c'est peut-être maintenant un coup comme Dame A5. On chasse la dame de sa position. On note qu'on ne peut toujours pas jouer D5 à cause de la tour en B8 qui est en l'air. Et on garde le pion en A7 dans la ligne de mire. La position est stratégiquement gagnante déjà pour les noirs, pour les blancs. Dame D3, c'est vraiment un super coup positionnel. Donc les noirs prennent des décisions radicales, ils jouent G5, hein, de façon à ce que la dame maintenant ne puisse plus venir menacer fou prend H6, Étienne revient en G3, mais maintenant le roc a été affaibli, la case F5 est faible, et donc il y a des coups H4 qui peuvent arriver. Cavalier C5, dame F3. Alors à la place de dame F3, il y avait un coup que j'aimais bien aussi, c'était dame D2. Avec l'idée vraiment de mettre un petit coup de pression sur la structure et d'envoyer un petit H4 derrière. Et après, hop, on insiste et on tape vraiment sur la structure et on voit que bon, la position noire est vraiment très compliquée. C'est quasiment même déjà perdant. Mais Dame F3 va très bien. Hein. Dame F3, le cavalier va venir en F5, la dame va venir en H5. La position noire est vraiment abominable. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Tour D8. Et là, un enchaînement d'Étienne qui est extrêmement fort, mais vraiment. Qui met fin à la partie, hein, littéralement, c'est E5. Premier coup, déjà, premier coup de butoir. E5, ça fait très très mal. Très très mal, E5. Puisque pion prend E5, on aurait tout simplement fou prend.
avec les damnés la dame sur F6 ensuite, avec une position noire qui s'effondre totalement. Donc du coup, il est obligé de jouer D5, et là, encore un énorme coup du joueur français, B4. Ah mais Étienne, quand il joue comme ça, c'est de la folie, quoi. Alors quand on a les trois premiers échiquiers qui jouent à ce niveau, c'est même pas la peine. Il n'y a rien à faire, enfin même pas la peine. On verra si les adversaires pensent la même chose. Mais B4, un coup extrêmement fort. Cavalier A6 est forcé, puisqu'après Dame prend B4, il y aurait tout simplement Cavalier prend C6 qui gagnait la tour en D8. Donc Cavalier A6. Et là, par contre, petite imprécision d'Etienne. Il a joué Cavalier tour EB1. Bon, ok, c'est pas si facile à voir, mais il y avait un bon coup ici, c'est Cavalier CE2, avec l'idée tout simplement de jouer C3 en fait. C3, c'est un coup très fort qui va juste dire au cavalier, t'as rien à faire ici, et on va tourner notre attention de l'autre côté. Jouer H4, et bon, on va allumer le roi noir, hein, il n'y a pas d'autre mot. On va littéralement déchirer la position des noirs. Et cavalier prend B4, C3. Le cavalier revient en A6, et là, tour B1 maintenant. La dame est obligée de venir en C8, hein, pour protéger pour garder le contrôle du cavalier en A6. Cavalier prend E6. Tour prend. Alors, pas pion prend, parce qu'après pion prend, on aurait une très jolie pointe ici, c'est dame D3, qui menace à la fois le cavalier et la case G6. Et maintenant, après dame prend G6, on va piquer en A7 avec une attaque de mat monumentale sur le roi. Donc tour prend E6, et là, cavalier D4. Tour E7 pour protéger le pion. Et H4. Alors, c'est pas compliqué, hein. Ça c'est le type de variante qu'Étienne y voit tous les matins au café. Il boit son petit café le matin, c'est ce qu'il voit au petit-déj, quoi. Donc c'est pas en dehors de son range de possibilités. Hein. C'est clairement dans ses cordes, mais là on voit juste le manque d'organisation des pièces noires. Hein. Le cavalier en A6 qui a rien à faire là, le roc qui est extrêmement faible, la case F5 qui est juste sensationnelle pour le cavalier. Et là la partie est terminée clairement. Donc ouais, cavalier CE2 ça aurait été vraiment un peu plus précis. Tour B1 c'est pas mal. Sauf qu'en fait son adversaire va vraiment relever le défi en faisant cavalier prend B4. Le coup inattendu, quoi. Ce coup, normalement, il devait être interdit. Je pense que ce coup, il a surpris Étienne quand même. Il devait peut-être pas penser que c'était valable. Cavalier D1, mais les blancs restent complètement écrasants. Hein. Cavalier D1, dame C8, cavalier prend E6. Alors, cavalier prend E6, déjà, c'est une deuxième sortie de route. Ici, après C3, cavalier A6 forcé, cavalier E3. On voit que les cavaliers se dirigent vers le roi. Hein. C'est là que ça va se passer maintenant. C5, parce qu'on ne peut pas tolérer ces deux monstres. Tout dame prend E6 et dame H5. Avec l'idée de mettre le cavalier sur G4 et de jouer H4, la position noire va juste s'effondrer. Bon, c'est un peu plus compliqué que prévu, on va dire, mais ça reste quand même complètement gagnant. Surtout avec ce cavalier-là qui fait de la peine à voir, le pauvre. Donc là, c'était déjà pas mal. Mais là, petite sortie de route d'Étienne après le cavalier prend E6, puisque maintenant, la différence, c'est qu'après C3, ben, les noirs, ils ont cavalier C2. Le truc pas prévu, quoi. Et ça, je pense que ça a été un peu la douche froide pour Étienne, ce cavalier C2. Il n'a pas dû envisager que ce soit un coup légal, en fait. Et ce qui est assez logique, hein. Je veux dire, le cavalier en C2, on se dit, bah, de toute façon, il n'a pas de case de sortie, on voit pas ce qu'il peut faire. Mais en fait, après tour A2, eh ben, les noirs, ils auraient cavalier E1. C'est ça la pointe. Et après dame E2, dame G6. Et le cavalier ressort sur D3. On gagne un tempo avec la dame. En attaquant la tour en B1 et on ressort le cavalier sur D3. Alors il gagne un pion et il y a le pion E5 qui risque d'être faible derrière. Donc ça c'est un peu la loose. Donc tour prend A7 et la position blanche, on voit qu'elle est quand même moins bonne. Hein. Il y avait un monstre en D4 tout à l'heure et un autre cavalier qui arrivait en E3. Là il manque quelque chose, quoi. Alors bon, il y a toujours ce cavalier en C2 qui fait peine à voir, mais les noirs vont jouer de manière très dynamique. D4, un excellent coup pour essayer de résoudre le problème. Pour résoudre le problème du cavalier, on menace tout simplement hein, d'aller le soutenir, hein, ce cavalier. Tour BB7, attention, le pion en F7. Tour E7, très simplement. Tour prend E7, fou prend E7. Dame D3. Cavalier A3. Pas le plus précis. Le mieux, c'était cavalier E1, d'après mes analyses. Avec idée sur Dame E4, par exemple, ou Dame E2. Maintenant, on va prendre sur C3. Et en fait, on ne peut pas prendre en E1. Puisqu'après C2, cavalier E3 ou cavalier B2, on a fou C5 ici, suivi de dame B3. Et en fait, le cavalier est très mal placé et le pion est trop fort. Il y a la case D1 toujours
qui est problématique pour les blancs. Cavalier A3, ici, ça permettait une dernière idée sympa pour les blancs, mais même pas gagnante, mais quand même pas mal. Il a joué pion prend D4, Étienne. Alors, ils étaient en petite Zeitnote quand même. Et C4, c'était le dernier coup, afin d'ouvrir la colonne pour la tour. L'idée, c'est que sur Cavalier prend C4, maintenant, on aurait tour prend E7. Mais même ça, c'est pas hyper clair, ça. Ça, c'est pas. On peut pas dire que les blancs soient gagnants ici. C'est compliqué. Parce que les deux pions sont quand même très très forts. Alors, les blancs ne sont pas moins bien. Hein. Ça, c'est quasiment sûr, je pense, que les blancs ne peuvent pas être moins bien. Mais de là à gagner, c'est compliqué. Étienne a fait pion prend D4. Cavalier B5. Double attaque. Sur A7 et D4. Et là, tour A4. Fou C5. Et les noirs ont réussi à activer leurs pièces. Et ça devient même dangereux pour les blancs. Faut faire attention. Donc, Étienne, il joue roi H2. Fou prend D4. Et tour A6. Tour A6 qui est une énorme boulette. C'est terrible hein, cette partie. Le retournement de situation qu'il y a eu dans cette partie, alors qu'Étienne avait tout en main, il avait fait une partie stratégique, mais modèle. Vraiment, vraiment, hein, une super partie. Ici, il fallait jouer cavalier E3. Mais c'est vraiment cruel comme ça s'est retourné d'un coup. Et tour A6, c'est une énorme gaffe en fait, parce que ça permet le coup dame C8. Qui attaque la tour blanche, qui protège la tour noire, et donc qui permet aussi une découverte tout en attaquant la tour. Donc la position blanche d'un coup devient très critique, et là, elle est même complètement perdante. Position un pion de moins, un roi exposé, des faiblesses partout. Ça a l'air sans espoir pour Étienne, mais bon, le joueur turc va pas faire preuve d'une précision idéale, et il va donner des chances aux joueurs français. Notamment ici, il fallait pas jouer roi H2, ici il fallait peut-être jouer roi F2. Le cavalier vient en D4, et maintenant cavalier B2. Et le problème c'est que la tour ne peut pas quitter la colonne D, parce que sinon dame A7 échec gagnerait le cavalier. Et donc tour A3, seul coup pour empêcher dame A7, mais maintenant tour D2, on active, cavalier B5, et dame F8, avec un certain contre-jeu, même si objectivement il n'y a pas grand-chose. Mais les noirs vont faire attention parce qu'il y a quand même la dame qui attaque la tour ici. La tour peut rentrer sur la colonne D. Le cavalier peut aussi se joindre à l'action hein, par cavalier D3, cavalier C5. Donc il y aurait un peu de contre-jeu. Roi H2, joué. Cavalier D4. Tour 1, tour D2. Dame B4, cavalier F3. Cavalier F3, c'est la dernière faute qui laissait une chance à Étienne. Ici, c'était le coup dame D7 qui mettait fin à la partie, mais c'est pas un coup facile à voir, dame D7. La tour n'est pas prenable à cause de l'échec en F3, et sur E6, on jouerait quand même cavalier F3, roi H1, et là, il y a une grosse pointe pour les noirs, je pense que c'est cette pointe qu'il a oublié le joueur turc, c'est dame C7. Dame C7 qui menace mat en H2, et qui est imparable, hein, parce que si on joue G3, G3 c'est un coup malin, avec idée dame prend G3, dame F8, dame E7, et c'est nul. Puisque le roi ne peut pas s'échapper. Si le roi vient en G6, il y a dame F7 mat, et donc on a le perpétuel. Mais en fait, ça ouvrirait la colonne de la tour, ce qui permettrait tour H2 mat. Donc il a raté ça, il a raté ça, il a joué cavalier F3, et la dernière chance pour Étienne, ici, c'était de jouer roi H1. Alors, cavalier prend 1, dame prend D2, dame prend E5, et cavalier E3. Et en fait, le cavalier ne ressort pas. Le cavalier ici n'a pas de case de sortie. Et sur F4, maintenant, on a le perpète. Avec dame D7 échec. Roi G8, dame prend C6. Sur roi G6, il y a dame prend C6. Sur dame G7, on aurait dame F5, qui est encore perpétuelle. On va juste faire des échecs sur cette diagonale. Donc ça, c'est pas possible. Et sur dame prend E5, ici, un coup très joli, hein, qui menace mat, qui menace la tour. On ne peut pas manger en E5 parce qu'après tour prend D1, on perd tout de suite la partie. Mais on a dame B7 échec. Une belle pointe ici. Roi G6, dame prend C6 échec. Le roi ne peut pas sortir en H5 puisqu'il y aurait dame prend C6. Dame prend F3, pardon. Donc le roi redescend, échec, échec. Et la dernière chance, c'est ça. Et donc on essaierait de jouer, de défendre cette finale. Qui est objectivement, bah, elle est juste moins bonne, hein, elle est très mauvaise même pour les blancs, mais on aurait des chances, en tout cas plus de chances que dans la partie. Donc, roi G3 a été joué par Étienne, et après H5, dame A5, tour D5, dame A7, tour D7. Maintenant, trop de menaces dans la position, on menace la tour, on menace H4,
On menace la dame, trop de menaces. Et donc Étienne est obligé de sacrifier la dame, mais c'est pas tout. Il va être obligé aussi de perdre une pièce. Et donc Étienne Bacro s'est incliné dans cette partie. Un coup dur pour Étienne, hein, qui avait fait une superbe partie avec les noirs, avec les blancs, qui avait complètement dominé son adversaire. Vraiment, partie extraordinaire. Et qui s'incline malheureusement. Et donc le score est à 2-1. Je vais accélérer la dernière partie. Sinon, on se verra demain. Et je vois qu'il y a déjà des gens qui quittent le chat. Donc je me dépêche. Et Jules, donc, Jules qui donc, va faire face à Sanal, un joueur très dangereux aussi. Vahap Sanal. Et donc il joue sa Petrov, Jules, hein, nouvelle ouverture qu'il joue, il me l'a dit, pour gagner. Et donc là, la question de Yosha était donc de me demander quel était ce coup fou B4. Ciao Ruga, ouais désolé, j'ai un peu tardé sur la partie de d'Ali Reza, donc je vais aller accélérer un petit peu. Mais bon, c'était une partie qui méritait quand même le détour. En fait, c'est pas, il n'y a pas de feinte avec fou B4, c'est juste que ça donne des options supplémentaires aux blancs, hein, que ce soit Cahier D2 ou fou D2 ou C3. Mais en fait, après C3, fou D6, roque roque, il n'y a pas de meilleur coup pour les blancs que de jouer C4. Ça retombe en fait dans la ligne principale. Donc il ne faut pas que Jules perde pour que le match soit gagné. Le score est 2-1 pour la France. Et donc on a une grande ligne théorique ici. Fou F5 joué par Jules. Fou D3 a été répondu par Sanal. Cavalier G5 est l'autre possibilité. Fou G5, Dame A5, Cavalier H4 est une autre possibilité aussi très dangereuse. Il faut connaître un peu ces schémas-là. Fou D3 a été joué par Sanal, Jules a pris, et K et D7, et on obtient une position très solide avec les noirs, très difficile à passer. Donc ici, Jules il a joué Dame F6, il y avait une possibilité de marrante, ici que j'ai montré, c'est Cavalier C5, très sympa, avec l'idée que Cavalier E6 et Cavalier G5. L'idée de Cavalier C5, bien entendu, c'est que le Cavalier ne soit pas prenable à cause de Fou prend H2, qui ouvrirait la diagonale vers la dame, la colonne vers la dame. Donc Fou B2, Dame F6, tour 1. Dame G6 propose un échange malhonnête, puisque les finales seraient plutôt sympas pour les noirs, avec le coup B5 à suivre. C'est un thème dans ces positions. Admettons, je sais pas, moi, Dame prend G6, H prend G6, et que les blancs jouent un coup d'amélioration du type G3. Un coup comme B5 peut devenir un coup totalement candidat, avec idée, après pion prend, pion prend, de créer une majorité de contraintes sur l'aile dame et d'obtenir la case D5 éventuellement pour le cavalier noir. Donc, du coup, Dame B3 a été jouée par Vahap Sanal. Cavalier F8, un coup de regroupement typique, hein, le cavalier qui vient vers F4. J'avais eu Jules, hein, j'ai eu Jules à la fin du Grand Prix du Grand Suisse, et pour le féliciter de sa belle partie contre Matlakov, je l'avais eu au téléphone, et il me disait qu'il me demandait, il m'a dit, alors tu l'aimes bien ma Petrov? J'ai dit oui, il m'a dit, mais oh, moi je joue la Petrov pour gagner. Hein, Mais c'est vrai que la Petrov, c'est une ouverture très dangereuse, et donc là on voit cette position, hein, la position blanche est pas supérieur, hein. Les chances noires sont tout à fait OK. Et c'est même beaucoup plus dur, je pense, à jouer pour les blancs. Donc Dame G4, on active. Et Fou E5, grosse imprécision ici. Fou A3 était le meilleur coup pour les blancs, avec l'idée de maintenir l'équilibre. Mais Fou E5, c'est une bêtise, parce qu'en fait, le fou en E5 va se retrouver dans une situation très désagréable. Puisqu'après Fou C5, Cavalier E2, Cavalier G6, d'un coup, le fou est attaqué. Le cavalier peut menacer des trucs en F4 et en H4 à tout moment. Et après H3, Dame F5, Vahap a joué Fou D4. Jules a joué Tour D8. Et en fait, pour protéger le pion, bah, que faire? Il a joué Fou E5 pour intercepter. Mais Tour 8, on repose la question au fou. Le fou revient en D4 et Tour D8. Et voilà, répétition de coups, et donc nul dans cette partie qui scelle le match. Alors il y avait une possibilité, hein, si le match avait eu une tournure différente, dans cette position, Jules aurait pu jouer. Il pouvait jouer en jouant fou F8 ici, avec l'idée d'utiliser la colonne C pour la tour, notamment la case C5. Et en fait, le fou est vraiment embêté ici, parce que le fou ne peut pas bouger à cause de D5. Donc tour D1, tour C5, on réitère le problème. Le fou ne peut toujours pas bouger, puisque tour prend D5 gagnerait le pion. Tour D2, maintenant on joue un petit coup comme H6, toujours utile, puis B5. Et en fait, les Noirs vont mettre en marche leur majorité avec une position très agréable. Je dis, c'est pas du tout gagnant pour les Noirs, hein, mais c'est plus agréable à jouer pour les Noirs en tout cas. Donc, partie solide de la part de Jules. Alors, je l'ai faite un peu en vitesse, hein, parce que bon, voilà, on n'avait plus trop le temps. Puis la partie n'était pas non plus. Il y avait beaucoup de choses à dire. Hein. Par exemple, dans cette position, B5 à la place de Cavalier F8 était un coup intéressant aussi avec l'idée d'égaliser plus rapidement. Mais ça reste une partie vraiment très solide de la part de Jules.
qui permet de remporter le match, hein. Et c'est vraiment très important que Jules ait changé son style et qu'il puisse ensuite jouer maintenant des ouvertures très solides comme ça, parce qu'en équipe, c'est vraiment utile d'avoir des joueurs comme ça qui aiment jouer solide, puissent jouer solide et qui puissent en plus gagner des parties. C'est-à-dire que je suis sûr que Jules, dans une autre circonstance, cette position, il la joue, hein. Il n'y a pas de bluff, hein, c'est certain. Mais bon, vu la tournure des événements sur le 1 et le 2 et la position écrasante d'Étienne, je comprends tout à fait que Sébastien, quand la proposition nulle arrive, qu'il accepte immédiatement. Puisqu'on est, on est mieux sur les trois échiquiers. Donc, il n'y a pas de. À ce stade du match, c'était clair et net. Donc, victoire. Victoire des Français qui se reprennent, hein, mais sur le plus petit des scores. 2,5 à 1,5, avec une petite fausse note, ouais, cette partie d'Étienne qui malheureusement s'est inclinée après avoir fait une super. Vraiment, hein, j'insiste, mais vraiment, il a vraiment une belle démonstration positionnelle et qui avait pris un avantage considérable et probablement décisif, hein, pour un joueur de son niveau. Donc, Étienne qui doit. Bon, il n'y a pas de doute, hein, son niveau de jeu est bon. Il joue bien, il gaffe, c'est ça le problème. Il n'y a pas de remise en question à avoir sur sa forme et tout ça. Il joue bien, son jeu est bon. Hier, pareil, hein, hier, il a fait une très bonne partie contre Gledura. Il a gaffé, en fait. Il a gaffé. Ça fait deux parties qu'il perd où il gaffe. Donc, moi, j'ai tendance à pas m'inquiéter dans cette situation-là. Parce que je sais que c'est quelque chose qui se fait. Il faut corriger. C'est juste une question de fatigue, éventuellement, ou même de réglage, quoi, on va dire. Mais le niveau de jeu est très bon. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Il vaut mieux avoir un joueur dans l'équipe qui joue très bien et qui n'arrive pas encore à régler les problèmes plutôt qu'un joueur qui joue très mal et ça, c'est plus compliqué. Donc, victoire des Français contre la Turquie. On va aller voir rapidement ce qui s'est passé dans le match des filles qui affrontait une solide équipe israélienne avec Marie Sebak qui affrontait Yulia Schweiger, une Rosso Limo. Partie très complexe, vous allez le voir. B6, KC3, fou B7, KC2 déjà, petite imprécision de Marie, je pense ici. Il vaut mieux mettre le cavalier sur B3 afin de garder les possibilités de jouer C5, voire même des fois de le mettre en B5. Mais il y a un coup dans la partie qu'elle n'a pas joué Marie et qu'elle aurait dû jouer plusieurs fois, mais qui n'est pas facile à jouer avec un fou en B7, vous allez le voir. Dame C7, ouais, Dame C7, Dame D2, Tour D8, Tour D1, et voilà. Le coup qu'il faut jouer dans ce type de position, mais c'est pas simple, c'est G3. C'est un coup thématique dans ces positions, typique, afin de jouer F4, fou F3 derrière. Et surtout de priver les noirs de l'initiative sur la diagonale. Tour AD1 a été joué. Ici, les noirs ont raté une chance d'avoir une position très complexe. Ils auraient pu jouer ici le coup cavalier CE5. Qui attaque le pion C4. D3 et maintenant F5. Avec l'idée sur pion prend F5 de jouer cavalier H4. Avec une double attaque sur G2 et sur F5 et une position noire très agressive. Hein, beaucoup d'initiatives. Pas très agréable à jouer. Et on voit un des problèmes du cavalier en C2 ici, hein, c'est que, par exemple, sur un coup comme F3, on va prendre sur F5 avec les noirs et éventuellement même jouer un coup comme fou C5, échanger ce fou de case noire et profiter des cases noires faibles. Donc, à la place, Julia a joué dame B8. Elle a joué B3, Marie, mais elle aurait dû jouer encore G3. Cette fois, Schweiger ne laisse pas passer sa chance avec F5. Et elle va, avec ce magnifique coup cavalier B4 qui ouvre la diagonale vers le pion G2, trouver toute l'initiative possible sur le roi de Marie. Marie qui joue cavalier E1, cavalier prend F5, fou F2 et D5. Et la position s'est complètement retournée, enfin retournée dans le sens où elle s'est activée pour les noirs surtout. Et les blancs se retrouvent avec une position extrêmement passive, des pièces placées un peu n'importe comment. Alors les noirs ont compromis structurellement leur position, mais ils ont une dynamique qui est assez monumentale. Et donc la position est probablement gagnante pour les noirs déjà. Fou F3, D4, le pion qui continue d'avancer. Et le cavalier qui vient s'installer en E3. Cavalier en E3 qui ne sera pas prenable. Puisqu'après cavalier prend E3, après fou prend E3, pion prend E3. Le pion n'est bien entendu pas digeste. Parce que la tour en D1 traînerait et aussi le fou viendra en C5. Et le pion serait beaucoup trop fort. Donc, les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier. Les blancs, pardon. Et donc les noirs gagnent une qualité. Mais les blancs ont des petites compensations, on va dire, par leur fou de case blanche. Mais ça ne devrait pas du tout être suffisant dans cette position, puisque les pièces noires arrivent correctement à couvrir leur roi. Mais petit à petit, Marie va commencer à créer des petits problèmes à la joueuse israélienne. Et Yulia qui va complètement craquer dans le Zeitnot, puisqu'ici, hop, les pièces de Marie commencent à s'activer, et elle prend la nulle avec les noirs, alors qu'elle pouvait jouer encore, hein. Elle pouvait jouer roi E7, donner le pion, par exemple sur ça, ça, ça.
ça. Et dame prend G7 et roi G7. Alors évidemment, c'est plus compliqué dans cette situation, hein, avec les pions H passés, mais bon, le pion D est quand même garanti. Une garantie sympa, et puis bah, le roi est quand même pas hyper en sécurité, donc la position noire restait solide. La position noire restait su supérieure, mais bon, Schweiger qui a décidé de prendre la nulle, une bonne nouvelle pour Marie, hein, qui s'est fait complètement dominer dans cette partie. Elle a clairement mal géré, on va dire, la position. Sophie l'a emporté avec les noirs, avec un jeu très créatif. Elle a joué cette position, probablement voilà, une sorte de Grünfeld inversé. Et avec l'idée de dominer les cases noires, et vous allez voir que ça va être le leitmotiv de cette partie, puisqu'elle va littéralement donner une leçon de stratégie sur les cases noires à son adversaire. La position est déjà supérieure hein, pour les noirs. Très belle technique de Sophie pour l'instant. Fou D7, un coup très précis en plus. Et fou prend F5. On donne le fou de case blanche, on garde les fous de couleur opposée, et on va essayer de jouer sur ce fou dominateur, sur la colonne F, et éventuellement sur le pion B2. Donc dame F3, tour C7, dame E2, dame AG5. On voit que la colonne C est dans la main des noirs. Tour D1, tour E8. J'ai pas tout compris moi, tour E8, je me rappelle. Bon, en général, on joue G6, H5, mais bon, ok. Dame D2, les blancs qui échangent les dames. Tour E7. Et maintenant, Sophie veut doubler les tours sur la colonne C. Très bien joué. Donc maintenant, c'est une position très technique où la différence se fera entre l'activité des deux fous. Mais la position est vraiment, 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 vraiment avantageuse pour les noirs. Hein. C'est bizarre. Mais les fous de couleur opposée, c'est facteur de nul aussi quand les tours ont disparu de l'échiquier. Tant qu'il y a des pièces lourdes, là par exemple, cette position, elle est complètement gagnante. Hein. Si les noirs arrivent à jouer B3, tour C2, c'est fini. Hein. Donc, superbe technique de Sophie qui domine littéralement son adversaire de A à Z, tour A8, pour maintenant venir passer, hop, la tour de l'autre côté. Tour C3. Roi F6. Alors ici, je crois que j'avais noté D5. Ouais. Avec idée, puis on prend D5, F5. Avec un jeu blanc, fou F3, E4. Les blancs se font littéralement pulvériser, puisqu'on ne peut pas prendre E4 à cause de tour prend F3 et la tour en B2 qui traîne. Alors bon, c'est pas obligé, hein, on n'est pas obligé de rentrer dans des complications comme ça. D'ailleurs, Sophie a gardé le contrôle avec Roi F6, Roi E2, tour A8, tour B1, tour C7. Hop, on échange une paire de tours et on rentre. Et là, c'est la fin des haricots, puisqu'on va tout simplement reprendre en G6, et maintenant le fou doit bouger, et le roi rentre sur F4, avec la possibilité soit de jouer pour le mat avec roi E3 et fou C3, ou soit de pousser le pion G jusqu'à dame. Alors, j'y suis allé un peu vite, mais franchement, c'est une partie très propre, très stratégique, et Sophie qui confirme, bah, c'est un style différent d'hier, mais elle a pas pris de risque, elle n'a pas joué de position agressive, elle a juste joué sur les cases, sur la force de son fou en F5, en D4. Et c'est une très belle partie sur la différence d'activité de fou de couleur opposée, en fait, et sur la notion de la nullité. On a souvent l'habitude de dire que quand je parle de nullité, je ne parle pas de nullité dans le sens du match nul. Hein. Voilà. Et c'est vraiment. Tant que les fous de couleur opposée sont accompagnés de pièces lourdes, le facteur de nul n'est pas là. C'est le camp qui a l'initiative qui a l'avantage, toujours, quand il y a les fous de couleur opposée. Donc, victoire de Sophie. Andrea, donc 1,5 pour la France. Andrea a souffert une partie terrible où elle a été en difficulté dès l'ouverture avec ce système. Alors ça, c'est très compliqué. G6, c'est très risqué. Je sais qu'il y a des cas où on peut le faire, mais là, la position des noirs est juste déjà terriblement douteuse avec un développement blanc qui est juste parfait, des trous partout. Et la joueuse israélienne qui va vraiment bien jouer le coup, qui va clairement dominer Andrea. Et ouais, Andrea qui va juste s'incliner dans cette partie, malheureusement. Et donc les Israéliennes qui vont revenir à 2,5 à 1,5. Donc désolé hein, Andrea, et désolé les filles si je ne passe pas plus de temps sur vos parties. Ce n'est pas par manque d'intérêt, j'ai trouvé vos parties hyper intéressantes, mais surtout par manque de temps. J'ai déjà largement dépassé mon quota. Et enfin, on a eu quand même la victoire de Natacha. Enfin, le comeback de Natacha qui avait souffert de deux défaites terribles dans les deux premières rondes.
et qui va donc utiliser la variante Mazé Cornette pour remporter sa première partie avec ce petit coup D4. Voilà. Et obtenir donc cette position magnifique avec bel avantage de deux fous. Un fou B3 superbe. Il faut juste contrôler la poussée D5 et Natacha va faire une belle partie positionnelle. Hein, là va... C'est pas vraiment son style d'habitude. Elle est plutôt du genre à y aller, quoi, y aller franco. Je me rappelle qu'elle m'avait battu en 2007 dans une Benoni sauvage où elle m'avait juste roulé dessus. En tout cas, j'avais essayé moi de la dominer, mais elle n'avait pas été d'accord et elle m'avait massacré après. J'étais déjà émis, hein, j'étais déjà 24-70, un truc comme ça. Et ouais, donc G4, et là voilà, encore un exemple de domination complètement avec les blancs. On a tout le temps là, on peut doubler les tours sur la colonne D, on peut monter le roi sur F4, on peut ensuite jouer fou D5 quand on veut pour obtenir la case D5 pour la tour. On peut aussi même passer la tour, il y a un plan qui est marrant, c'est de passer la tour sur G3 pour ensuite la passer sur H3 et la passer ensuite en H5 pour essayer de dominer par là. Hier, on avait commencé par les filles, Lucie, déjà. Donc, c'était une consigne. Et donc, pion plus, là, pour Natacha. Et là, pam! Deuxième tactique. Deux pions plus pour la joueuse française qui va donc donner la victoire à son équipe. Et ça va lui faire du bien au moral après ces deux défaites totalement injustes qui ont été un peu comme... Comme pour Étienne, hein, c'était juste, elle jouait bien, mais elle gaffait. Donc elle a réussi, cette journée de repos lui a fait du bien, elle a réussi à revenir et elle a fait une partie parfaite, très propre, du début à la fin, en équipe, on ne peut pas rêver mieux, hein, d'une partie aussi pure. Et donc les Françaises qui s'imposent elles aussi sur le plus petit des scores, 2,5 à 1,5, avec deux victoires de Natacha Benesba et Sophie Millet, une nulle de Marie Sebag au premier échiquier, avec une position difficile. Et une défaite assez nette pour Andrea, et on espère qu'Andrea va se remettre. Hein. Je crois que c'est la deuxième, donc il faut qu'elle souffle peut-être et qu'elle se remette les idées en place pour revenir du bon pied afin de lutter pour une médaille. Donc les appareillements de demain, les filles seront opposées à l'équipe de Grèce, une équipe pas facile à jouer, un bon test dans le but de bien se remettre dans le tournoi, là ce serait pas mal. Une deuxième victoire consécutive, avant peut-être la journée de repos d'ailleurs, oui, c'est la journée de repos mercredi. Donc demain, c'est la dernière ronde avant le jeu de repos, il faut porter, il faut pousser, il faut mettre le pied sur l'accélérateur. Donc allez les filles, on compte sur vous, et les Français auront un appareillement contre un monstre, contre une des grandes nations des échecs mondiaux et européens, l'Arménie, un gros client en perspective avec leur leader, hein, Gabriel Sargsyan, et derrière plein de petits jeunes, Martirosyan et compagnie. Donc ça va être un match très très compliqué face à une équipe très jeune, très bien préparée, très motivée, privée quand même de leur meilleur joueur, hein, Levon Aronian, qui est en instance de départ pour les États-Unis. Mais vraiment un très très gros match, et donc un vrai test pour les Français, avant, on l'espère, une bonne journée de repos pour se remettre dans le bain. Et donc d'entamer les gros morceaux, avoir le droit hein, de jouer contre ces gros matchs, contre la Russie, contre toutes ces nations. Mais demain, c'est clairement un match capital. Hein. C'est l'Arménie, c'est très très grosse nation échéguéenne. C'est loin d'être gagné d'avance. Donc on souhaite bon courage, déjà bravo à nos deux équipes pour aujourd'hui. Deux beaux matchs. On espère que Andrea et le jeu. Et Étienne vont se remettre de leur défaite d'aujourd'hui. Défaite pas sur le même style, mais quand même, c'est jamais très agréable. Et revenir demain du bon pied pour mettre l'équipe de France dans les meilleures dispositions. Je vous invite à aller voir les vidéos aussi qui sont postées régulièrement sur le YouTube ou sur le site de la Fédération, par la Fédération française des échecs. Des vidéos, ils ont posté le jour 3, hier, aujourd'hui, j'ai vu. Il y a eu le jour 2 et le jour 3. Donc je vous invite à aller voir, c'est sympa, ça donne une idée un peu de comment ça se passe, l'ambiance. Ça vous permet de vous immerger un petit peu dans le quotidien des joueuses françaises et des joueurs français pendant ce championnat d'Europe. Donc merci à Jean-Baptiste hein, et à tout l'encadrement qui permet la réalisation de ces vidéos. Et puis bah, je vous retrouverai moi demain à 21h pour le récap de la ronde 5 en espérant encore une fois deux victoires de nos équipes. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été si nombreuses et nombreux à me suivre.
Désolé, ça a été un peu long, mais j'espère en tout cas que vous avez apprécié, même si bon, j'ai pas trop le temps non plus d'analyser toute l'après-midi, mais en tout cas j'essaie de faire le maximum pour que vous soyez satisfait et que les analyses vous conviennent. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, sur le même endroit. Et je vous rappelle le code promo TMM30, The Magnus Method. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.